de vous retrouver dans du débat panafricain qui s'ouvre à l'instant, la grande messe du débat sur la télévision en plein dimanche pascal. Tous les dimanches, bien sûr, nous apportons bien la bonne, la meilleure information, celle dénuée de tout carcan, de toute forme de dissolution, pour vous permettre de mieux apprécier, j'y arrive, toutes les dynamiques panafricanistes qui se trame de plus en plus sur le continent africain. Puis le Sénégal nous intéressera de fond en comble dans le cadre de cette édition. On attendra le 2 avril prochain donc, eh bien, la cérémonie de passation de pouvoir, alors que vendredi 29 mars dernier au soir, le Conseil confirmé la victoire au premier tour. Cette décision prise donc après un délai de recours abrégé permet donc à l'organisation d'une prise de fonction du candidat du PASTEF pour le 2 avril prochain, c'est-à-dire mardi. L'ancien inspecteur des impôts de 44 ans qui arrive donc au pouvoir a promis dans son projet de campagne de rompre avec la politique france-africaine qui a longtemps maintenu son pays, le Sénégal, dans un état de statu quo. La dénonciation de l'emprise du franc CFA, la promesse de suspendre l'accord de pêche avec l'Union européenne, la révision des conventions minières et des accords sur le gaz et le pétrole qui devraient commencer donc à être exploités cette même année. Va-t-il réussir donc finalement à articuler ce cahier de charges face donc au libéralisme qui est donc suffisamment ancré et enraciné dans son pays? On fera le point dans le cadre de cette édition du débat panafricain qui s'ouvre à l'instant. Et puis cette fois-là, restons au Sahel pour prendre la direction cette fois du Niger, après avoir dénoncé les accords militaires avec donc son partenaire français. C'est désormais avec les États-Unis que les gouvernements de transition du Niger au pouvoir ont donc décidé, bien entendu, de dénoncer cet accord avec donc l'allié américain. Il semble d'ailleurs bien avoir réussi le coup, puisque les autorités aux commandes au Niger ont réussi finalement à faire plier les États-Unis, en effet, après que les nouvelles autorités ont donc dénoncé les accords militaires avec les États-Unis. Le pays se trouve désormais dans l'organisation de retirer ses soldats présents sur le sol nigérien. Eh bien, les autorités ne laissent donc aucune autre issue à ce dossier. Les États-Unis qui sont donc priés, eh bien, de pouvoir de déplacer les de 1100 soldats américains présents notamment dans leur grande base de l'Agadez dans le pays Washington, qui a mené jusqu'ici toutes les négociations pour faire revenir bien entendu à des meilleurs sentiments les nouvelles autorités du Niger. Eh bien, se sont confrontés à un silence glacial, rappelant en tout cas l'urgence de pouvoir libérer tout simplement le plancher. Comment est-ce que, eh bien, comment apprécier cet état de choses? Comment expliquer donc désormais quel avenir entrevoir finalement pour ces soldats américains qui sont donc priés de libérer le Niger par ricochet, donc tout le Sahel? On tentera de répondre effectivement à cette question dans le cadre de ce débat qui s'ouvre justement avec nos invités qui nous attendent impatiemment au plateau. Quant à vous, merci de nous retrouver en direct. Le débat, c'est justement derrière. Très heureux de vous savoir assez nombreux à nous suivre tous les dimanches dans le cadre de cet exercice en télévision. L'information, la vraie, la bonne pour et par les Africains, c'est dans le cadre de cette édition du débat panafricain. Très rapidement avec moi autour de cette table pour argumenter, pour éclairer, pour articuler ces différents sujets évoqués dans le cadre de cette édition du débat panafricain, des invités habitués donc à cet exercice, mais surtout rompus à l'analyse sous le prisme purement et simplement panafricaniste. Le premier sur ce plateau central, Jonathan Matin-Guéné, vous êtes sociopolitiste. Merci de nous retrouver des sujets
très important nous attend. En tout cas, nous croyons dur comme fer qu'on sera tous à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Merci d'être là. Bon dimanche, Pascal. Merci, mon frère Fabrice Ndoum. Je crois que les Africains vont se réconcilier avec le christianisme depuis les révélations de Vladimir Poutine. On a appris que Jésus était noir. Noir comme le président Banda, noir comme Bertrand Tatinda, noir comme le pasteur Fanga. On était surpris tous de voir dans nos télévisions les images du Jésus noir. Et d'ailleurs, même Vladimir Poutine nous explique que même les apôtres étaient tous noirs. Donc, nous demandons simplement maintenant au Vatican et à tous ceux qui se sentent... Oui, ceux qui sont vraiment des chrétiens panafricanistes, comme ils disent, hein, ils disent qu'ils sont panafricanistes. Il est temps donc d'opérer aussi la révolution, parce qu'il ne faut pas crier après les Maliens, changer les dictateurs, et on ne vous voit pas mobiliser pour récupérer les archives du Vatican. Il faut que les Africains panafricanistes récupèrent les archives du Vatican. Il est temps que l'Afrique ait la vérité sur ce christianisme africain, qu'on comprenne quelle est véritablement l'identité du Christ, et que ces menteurs qui sont venus avec les fusils et la croix puissent finalement se plier à la loi du Christ. Donc, c'est une manière pour nous de communier avec tous les chrétiens. Vous savez, Jésus disait que la vérité, il est la vérité et la vie, et que la vérité libère. Donc, si la vérité libère, elle est quelque chose quand même qui enfonce et défonce des portes. Donc, elle n'est pas parfois agréable à écouter. C'était une manière de la transmettre. Je salue tous les panafricanistes qui nous écoutent, tous les Africains de par le monde qui se battent pour la liberté des peuples noirs et afro-descendants. J'ai une pensée dans ce sens pour notre frère Hervé Pinto. Vous savez, il y a quelques jours avait lieu son procès. Et M. Hervé Pinto n'a même pas eu la... Nous sommes en France, hein, faut qu'on rappelle. Nous sommes en France, nous sommes dans la Martinique. Hervé Pinto devait être jugé il y a cela quelques jours. Et le procureur en Martinique n'a même pas eu le loisir de voir le visage du prévenu Hervé Pinto. Il est en prison. Vous savez, quand ça se passe en Afrique, on dit « Ouh, République bananière, les pays des dictatures, absence des droits de l'homme, justice instrumentalisée, justice à tête chercheuse. Hein? » On trouve tous les mots péjoratifs pour qualifier cette justice. En France, donc, en Martinique, Hervé Pinto a été enfermé d'abord illégalement, injustement. Et ce dernier n'a même pas eu le loisir de se présenter devant le juge. Même pas. On l'a gardé dans sa cellule comme un dangereux criminel. Et c'est à partir de là que le procureur a requis qu'il soit encore maintenu dans les geôles. Pourquoi la France agit ainsi? Parce qu'ils savent qu'il s'agit d'un procès injuste, une affaire kafkaïenne. Monsieur Hervé Pinto, c'est l'héritier légitime de son arrière-grand-père, Monsieur Gratt, qui a réussi à obtenir de hautes luttes après s'être battu. La fois dernière, nous disions en Guinée. Non. Il s'est battu en Guadeloupe où il a pu avoir les fonds qui lui ont permis d'acquérir une terre aux trois îlets. De quoi la terre, ça s'appelle la pagerie, hein, quelque chose comme ça. Bon. Il y a les noms un peu extraordinaires que les Français trouvent dans ces zones-là. Je ne sais pas si les ancêtres de là-bas appelaient les zones les bapageries ou bien il est. Donc, ils ont appelé comme ça la pagerie. Et Monsieur Gratt a légué son bien. Il a acheté ça à l'État français qui était en déliquescence. Vous savez que quand Napoléon tombe, vraiment, la France, à un moment dans la gestion de Napoléon, la France était en déliquescence. Le terrain a été mis aux enchères. Il a acheté le terrain à la moitié du 19e siècle. Il achète le terrain et il va léguer ce terrain à son fils, qui léguera à son autre fils, puis aujourd'hui à M. Hervé Pinto. Hervé Pinto, depuis 30 ans, un individu sorti de nulle part, se réclamant être
membres de la famille, bon, d'ailleurs même des liens qui aujourd'hui sont battus en brèche, a réussi à arracher les terres. Et je tiens à souligner que M. Ndoum, le fameux individu qui arrache ces terres, est un individu sulfureux, réputé pour un travail de pillage du foncier en Martinique. Et avec le soutien là-dessus des politiciens corrompus de la métropole en France. L'affaire Hervé Pinto nous a révélé des choses extraordinaires. La corruption systématique et systémique de la justice française. Une justice qui est véritablement, comme disait, non, pas aux ordres. On va reprendre les mots du digne et du brave ministre, M. Bruno Le Maire. Une justice au sous-près. C'est-à-dire que plus vous en donnez, mieux elle juge. Plus vous soudoyez, mieux elle se porte. Une justice de corruption absolue. C'est cette justice qu'on nous a brandie souvent en disant « Oh, voici l'exemple de démocratie. Vraiment, les Africains, là, venez nous imiter. » Séparation des pouvoirs. Ah, là, Hervé Pinto vous dirait mon œil. Parce que là, alors, on a vu que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire agissaient de concert. Les Martiniquais expliquent, et parce que nous avons pu discuter avec les Martiniquais, surtout le collectif Justice Martinique, et nous saluons tous les représentants, d'ailleurs, Hervé Pinto est le président du collectif Justice Martinique, ouais, un collectif qui a été constitué parce que les Martiniquais, tous les descendants d'anciens esclaves qui ont pu acquérir des terres aujourd'hui sont victimes d'un vol de leur propriété foncière. Je dis une action en série organisée par l'État français. Vous savez pourquoi? L'État français se rend compte qu'en Martinique, il peut avoir des velléités indépendantistes. Alors, il faut créer des colonies de peuplement qui vont justifier d'un ancrage endogène. Or, les terres, à l'époque où ces terres n'étaient pas prisées, c'était les fils d'esclaves et les esclaves qui achetaient ces terres, les anciens esclaves. Aujourd'hui que l'aspect touristique est relevé, l'État français y voit un intérêt et prend donc, parce que vous allez voir, c'est une politique raciste, hein, il se trouve que 100% des acquéreurs, c'est des blancs becs français, des colons au sens strict du mot. Ils viennent acheter des terres qui sont en bordure de mer pour pouvoir construire des hôtels. Et vous savez ce que l'État français gagne là derrière? Ça, c'est l'intérêt immédiat pour les privés. L'intérêt de l'État français, c'est de se présenter comme une thalassocratie. Une thalassocratie, c'est-à-dire un État qui a des étendues de mer qui font l'objet d'une convoitise internationale et qui peuvent permettre de participer à l'érection de règles sur les droits de la mer. Donc la France est aujourd'hui un grand participant, la deuxième thalassocratie mondiale. La deuxième, après l'Angleterre. Avec quel territoire d'outre-mer? Les colonies en Amérique et les colonies dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, ils ont même volé un territoire aux Comores, Mayotte. Mais la France, un pays qu'on nous dit européen, mais moi je demande souvent si les Européens même ont fait la géographie. Parce qu'on nous disait qu'un continent, c'est une étendue de terre. Hein? Non, restons dans les logiques géographiques. Qu'est-ce que l'Europe au juste? Même quand l'Union européenne se réunit, reconnaît la France comme un État européen. L'Europe, c'est quoi en fait? L'Europe est jusqu'à la frontière avec le Brésil. Mais la France est frontalière avec le Brésil, avec la Martinique, la Guyane. Vous savez ça, non? Mm-hmm. La France est frontalière avec les Comores en Afrique. Tout à fait. Avec Mayotte. Mm-hmm. La France est frontalière même avec les États asiatiques. Il y a une île là-bas, c'est quoi? Papouasie. Non, ils ont quelque chose. Il y a une île là-bas. Nouvelle-Guinée, je crois. Non, quelque chose. Ce n'est pas Nouvelle-Guinée. Il y a une île là-bas. Eux aussi réclament leur indépendance. Vous voyez, c'est ça la thalassocratie française. Deuxième réserve mondiale des ressources maritimes.
Est-ce qu'il y a de l'espoir pour Pinto, pour le camarade Pinto qui est donc bien entendu... Nous levons tous ces éléments parce que nous appelons à une mobilisation. Ouais. Ce n'est pas une affaire qui regarde seulement les Martiniquais. Mm-hmm. Nous appelons à une mobilisation générale de tous les Africains. L'affaire Pinto doit être le grand déclencheur pour la libération de tous les territoires, toutes les colonies insulaires que la France possède encore. Il faut libérer ces colonies insulaires. On ne les appelle pas territoires d'outre-mer, c'est des colonies insulaires. La France doit laisser indépendantes toutes ces colonies insulaires. Ces peuples sont des peuples libres. Il s'agit de peuples qui ont droit à la gestion de leurs propres ressources. Monsieur Pinto n'aurait jamais connu ces problèmes. Vous savez pourquoi il a des problèmes? Parce que madame la procureure, elle habite sur la terre de monsieur Pinto. On dit que la justice doit être indépendante. Quand le juge lui-même est d'abord lui-même un récipient, comment on appelle ça? Un receleur. Le receleur d'un brigandage. Le juge est receleur. Vous attendez à la justice. Les gendarmes, un général de gendarmerie, je vais donner son nom. Je vais apporter vous son nom. Pas là. La prochaine émission, j'apporte le nom de ce général. Général de gendarmerie français, receleur sur les terres de M. Pinto. Général de gendarmerie en France, receleur sur les terres de M. Pinto. Vous vous attendez à la justice? Merci. Voilà l'État français mis à nu. Merci à vous. Dans sa politique raciste en Martinique, M. Pinto doit être libéré dans les plus brefs délais. Nous nous adressons ainsi à monsieur le despote dictateur sanguinaire patron de la junte française Emmanuel Macron. Il faut qu'il libère monsieur Pinto. C'est le prisonnier politique de monsieur Emmanuel Macron. D'accord. Il faut qu'il libère monsieur Pinto. Monsieur Macron devrait prendre une décision sage. Après avoir libéré monsieur Pinto, il devrait instruire que monsieur Pinto rentre dans ses droits légitimes, légaux. Monsieur Pinto est l'exemple de ce que le noir, dans sa plus abjecte déchéance, a pu s'élever. Non seulement il a conquis ses droits à l'humanité, je parle de monsieur Gratt, parce que monsieur Pinto n'est que la figure totémique de son arrière-grand-père. Lorsque monsieur Pinto nous regarde, nous voyons monsieur Gratt, qui est né esclave, qui a réussi à s'affranchir, à s'émanciper, est allé se battre dans les terres de la Guadeloupe, là où il fallait forer l'or. Il est devenu orpailleur et à partir de ses revenus épargnés, il a acheté une terre. Lorsqu'un homme a gravi toutes les étapes de la déshumanisation jusqu'à la possession de biens, ce qui veut dire la montée dans les classes sociales jusqu'à une classe des possesseurs, on ne doit pas lui livrer le spectacle qui est aujourd'hui accordé à son petit, à son arrière-petit-fils. D'accord. Nous demandons à tous les Africains de se mobiliser et à tous les Martiniquais de rester tous les jours mobilisés. Il faut que madame la procureure, cette petite voleuse qui vit sur les terres de M. Pinto, qu'elle comprenne qu'elle n'a plus le droit de se placer et de faire ce qu'elle a fait l'autre jour à M. Pinto. Elle ne le voit même pas et elle demande qu'il reste en prison. Merci. Que cette voleuse, que cette receleuse arrête son forfait. Et si la France a encore un peu de dignité, qu'elle soit affectée en affectation disciplinaire dans une zone, un des villages les plus reculés de la France, où là-bas elle va méditer son forfait. Et que ce général, le général de gendarmerie, j'ai appris qu'il y a des séances d'exorcisme, des séances qui se passent quand même de libation. Vraiment, je crois qu'il est temps que s'il y a des sorciers encore efficaces en Afrique, que ces sorciers travaillent avec la famille Pinto. Parce que ce général, il faut que quand il dorme, qu'il se souvienne qu'il est un voleur. D'accord. Merci à vous, Jonathan Batenguele, pour ce rappel donc à l'endroit du camarade Pinto qui est donc injustement incarcéré pour notamment son combat en faveur de l'émancipation de son territoire, de son pays aussi pour ses prises de position. On espère une suite favorable pour le camarade Pinto. Vous êtes à nos côtés, Bertrand Tatinda, vous êtes analyste politique, membre du nouveau mouvement populaire, l'un des plus titulaires à ce débat du dimanche. Merci d'être là, Bertrand. Bonsoir. Bonsoir Fabrice, je suis très content d'être là. Bonsoir à de très
Non, pas vraiment. Pourquoi pas d'être vraiment. Disons que j'étais chez moi, je suivais les débats, j'allais en venir effectivement. Je souhaite bon fête de la Pâque à tous les chrétiens catholiques. Je suis un chrétien catholique. J'ai été embarqué dans cette histoire. J'avais 6 mois d'âge. Vous comprenez que quand on a 6 mois d'âge, on ne peut pas résister à un père qui décide de vous embarquer dans une affaire compliquée. Disons comme ça, pour être poli, très compliqué. Mais je reste un catholique. Parce que j'estime qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle la congrégation catholique, même panafricanisme peut entrer dans cette histoire. Et comment je vais dire que tropicaliser le dogme catholique. On peut tropicaliser le dogme catholique et voir même dans quelle mesure, effectivement, avec la culture africaine, l'histoire africaine, les religions africaines, eh bien, ça peut travailler ensemble. Et nous sommes de plus en plus nombreux, même en Occident. Il a de gros problèmes. La papauté a de gros problèmes aujourd'hui. À Rome, il y a des gens qui estiment que cette façon de faire les choses ne sont pas tout à fait normale. Il y a des gens qui estiment que la gestion du grand patrimoine, de la richesse, de la fortune de l'Église catholique, il va falloir quand même mieux l'expliquer. Et mieux expliquer comment est-ce que ça se gère. Surtout qu'à l'Église catholique, il y a une valeur, la valeur solidarité. Et quand vous regardez les chrétiens catholiques, il y a un déséquilibre en matière, comment je vais dire que, de statut social. Vous avez des chrétiens catholiques immensément riches et vous avez des chrétiens catholiques immensément pauvres. Et la fortune, la richesse de l'Église catholique doit justement jouer cette péréquation pour utiliser cette trop grosse richesse pour aider énormément aux chrétiens catholiques pauvres. Est-ce que c'est ce que nous voyons? Ce n'est pas ce que nous voyons. Donc, de plus en plus, des voix s'élèvent et dire que ça ne peut plus continuer comme ça. La désignation du pape, c'est-à-dire de la hiérarchie catholique chez nous, eh bien, on vous dit circuler, il n'y a rien à voir. Il y a tous les cardinaux qui sont enfermés dans une chambre. Allez attendre. Et le aller attendre, c'est regarder au-dessus de la toiture. Voilà une fumée blanche et puis on a désigné. Sauf que quand on regarde aujourd'hui la répartition en termes de population, d'adhésion à cette affaire, l'Afrique vient en première position avec pratiquement 700 millions de chrétiens catholiques. 700 millions de chrétiens catholiques. L'Europe ne fait même pas la moitié. Et nous posons la question de savoir... Il y a des cardinaux. Est-ce que la répartition même du statut de cardinal au sein de l'Église catholique, c'est également réparti? Deuxième des choses, ben, qui désigne même en fait pape? Qui désigne même en fait le pape? Comment des gens peuvent être dans une chambre noire, éteinte, fermée à double tour, et puis il y a répartition de fumée noire? Donc, c'est des questions de plus en plus importantes, métaphysiques, et je chute. L'Église catholique est de plus en plus présente dans ce que je peux appeler la gestion politique des pays. Uniquement en Afrique. Même en Amérique latine, l'Église catholique se tient de côté. Aujourd'hui, vous avez pratiquement plus d'influence de l'Église catholique qu'à l'intérieur de la gestion du pouvoir. Ben, sauf qu'en Afrique, l'Église catholique est devenue acteur politique. Désigne les bons points. Décide que voilà la bonne élection. Vous avez au Sénégal, il y a l'épiscopat catholique au Sénégal. Parle pas. Ça s'est bien passé au Sénégal. Ça s'est bien passé avec la réélection de M. Tshisekedi. Mais il fallait brûler le Congo quand M. Kabila était en train de, comment je veux dire, que d'aller à la préparative des élections. Il fallait brûler le Congo. Au Cameroun, j'étais moi non plus. Ils ont beaucoup d'avantages au Cameroun. L'épiscopat catholique très longtemps avantage. Le président de la République fait partie de notre congrégation catholique. Il a grandi à l'Église catholique qui a participé à payer ses études. Donc c'est un catholique pratiquant le président de la République. Donc cette histoire où il n'y a plus de barrières, où à certains moments l'Église catholique est acteur politique, alors que quand vous regardez les pays européens, il y a un gros problème. Elle est influente en Europe, l'Église catholique. Mais vous avez entendu déjà l'épiscopat français parler sur la crise politique qui est en France aujourd'hui. Il y a une crise politique en France aujourd'hui où il y a 35% de Français qui estiment que l'armée devra gérer les affaires en France. Depuis M. Nicolas Sarkozy, 5 millions de Français sont partis de France.
5 millions. C'est-à-dire que ce sont jetés sur les routes de l'immigration. Ils estiment qu'on ne reconnaît plus notre pays. C'est plus notre pays. 57% disent qu'ils ne savent même pas s'ils peuvent organiser les élections, les Jeux Olympiques. 57% des Français. Donc vous voyez donc que dans cette congrégation, dans cette institution catholique, il y a beaucoup de problèmes. Et notre pape qui ne se lève pas, parce qu'on nous a expliqué aujourd'hui qu'il ne pouvait pas être debout. Il est sur chaise roulante. Pour rien à dire que pas. Ceux qui estiment que les gens sont vieux. Au Cameroun, on dit à quelqu'un que tu as 92 ans, tu es vieux, tu dois laisser le pouvoir. Mais nous, nous avons un patron dans notre institution catholique qui ne se lève pas. Il a présidé la PAC sous chaise roulante. On nous explique qu'il a mal au genou. Une infiltration vous met debout. Son mal de genou dure depuis un certain temps. Il n'arrive plus à être debout. Il n'est plus en forme. On se demande s'il est en mesure d'exercer ses fonctions. Pourquoi il n'abdique pas? Pourquoi il ne part pas? Pourquoi il ne part pas? Bon, tu as des jeunes. Non. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. On n'a pas de constitution. Il n'y a pas de texte. Et ben, il y a des jeunes cardinaux africains qui ont de l'énergie, qui ont même une véritable ambition, qui sont radicalement contre l'homosexualité. Pourquoi ils peuvent assumer l'intérim en attendant une... Donc, ce sont des questions que nous nous posons à l'intérieur de cette congrégation. Vous devinez que je ne suis pas très populaire quand j'entre dans une église catholique. L'autre jour, et oui, mon curé me salue et dit, mais monsieur Tatsida, bien, il est content que je sois là. Mais je comprends que c'est la politique, on se sourit. Parce qu'il comprend que ce monsieur Tatsinda est un opposant engagé et de ma configuration. Je chute rapidement pour dire aux Camerounais que Citrafer a été débouté. La semaine dernière, nous avons parlé de l'affaire Citrafer. C'est-à-dire que d'un fleuron national de qualité qui avait concentré l'expertise en matière de savoir-faire technique et technologique sur les métiers du rail. On y retrouvait beaucoup d'anciens cadres de la régie Fercam. C'était une entreprise publique qui s'occupait du rail, de l'entretien à la pose du rail. Et quand la privatisation est arrivée, on reparlera ici de la privatisation du rail camerounais, et bien l'État du Cameroun a cédé le rail par concession à Camrail. C'est-à-dire à M. Bolloré. Et M. Bolloré, sur les 11 premières années de collaboration avec M. Citrafer, la collaboration a été excellente. Parce que Citrafer, non seulement, a réussi à imposer son savoir-faire, et Citrafer a respecté son cahier de charge. Mais, sauf que l'État du Cameroun, après avoir sollicité la Banque mondiale, s'est porté avali sur un crédit de 86 milliards et a lancé un vaste programme de rénovation du rail camerounais. C'est là que les problèmes ont commencé, parce que M. Bolloré a estimé que cet argent, il devait le prendre à lui. Il avait des ambitions en France d'acquérir le groupe Vivendi et de grosses ambitions aux États-Unis, dont il fallait écarter cette affaire. Et sont entrés en jeu le génie de la corruption camerounaise, le génie des hommes influents du Cameroun, d'introduire dans le contrat de concession les avenants qui ont donné tous les pouvoirs à M. Bolloré. Ouais. Il était le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage délégué. Il était son propre contrôleur. Il était son prestataire. C'est lui qui importait le matériel. C'est lui qui était l'alpha et l'oméga du rail. Et c'est ainsi qu'il ira même jusqu'à prendre la posture du ministère des Finances, qui est la seule institution au Cameroun à donner le statut d'une entreprise. Parce qu'ils vont tout simplement déclarer cette affaire illégible, il est inéligible à l'exercice des marchés de la Banque mondiale. Pourtant, cette affaire, c'est une entreprise d'économie mixte. Eh bien, Camrail de M. Bolloré est une entreprise d'économie mixte. L'État du Cameroun est actionnaire à Citrafer et l'État du Cameroun était actionnaire entre. Donc, rien que ça, ça a été un faux grossier. Les juges n'ont pas reconnu. Nous avons eu cette décision. Eh bien, on avait 10 jours. Citrafer avait 10 jours. Je dis on parce que nous sommes engagés aux côtés de Citrafer pour faire appel. Mais sauf que l'avenir me permet aussi de comprendre cette affaire. Il y a une réunion cette semaine de ce qu'on va appeler le comité, qui a été présidé par M. Ngale Bibéhé, le ministre des Transports. Et
Il y a 400 milliards qui sont déjà bloqués. Les 400 milliards proviennent de quoi? D'une partie de la participation de l'État du Cameroun et de l'État du Tchad, d'un consortium de banques et de la Banque mondiale. Parce que on parle courant mois de juillet de lancer enfin la ligne ferroviaire Ngaoundéré-N'Djamena. Sur 400 milliards de première phase de travaux, 6 milliards avaient été financés par la Banque africaine de développement pour les études de faisabilité qui ont été totalement bouclées. Et vous voyez donc que 400 milliards, ça devient un véritable enjeu. Donc, il est question pour certaines personnes, je ne condamne pas le patron du Comfer, M. Ngalé-Bibé. Nous avons le regard sur lui pour voir comment il va gérer cette affaire. Parce que pour l'instant, c'est lui la caution de l'État là-dedans. C'est lui-même le régulateur pour l'instant. Et vous voyez donc les enjeux de ces 400 milliards de tout faire pour écarter cette affaire. Et c'est ce que les mêmes pratiques ont été faites lors du procès entre M. Bolloré et le port autonome de Douala. Quand il a été éjecté du terminal à conteneurs, il a traîné le Cameroun dans différents procès. Et curieusement, il gagnait en première instance ici et il perdait partout. Il va avoir une pseudo-victoire en arbitrage à Paris. Quand on va faire l'appel de l'arbitrage, il va perdre. On va aller à la cour de justice sur Abidjan, il va perdre. Il va perdre partout. Mais au Cameroun, les juges instrumentalisés jusqu'à ce qu'un juge pris de remords écrive au président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est le président de la République, pour dire qu'il a subi de fortes pressions de sa hiérarchie et qu'il a violé son serment, il a violé la loi. Donc voilà le prochain enjeu, cher Camerounais. D'accord. Je profite pour lancer un appel au patriotisme camerounais, à l'intérieur, à l'extérieur. Que tous ceux qui ont une connaissance, tous ceux qui ont un savoir-faire sur les métiers du rail, tous ceux qui travaillent dans la finance, de se rallier à nous les panafricanistes pour faire une offre à l'État du Cameroun. Il faut faire une différence entre le gouvernement camerounais, le président Biya et les intérêts stratégiques du Cameroun. Cette ligne de chemin de fer est d'un enjeu stratégique terrible. Donc, il y a beaucoup de Camerounais, je suis conscient, qui sont en Allemagne, qui sont aux États-Unis, qui sont en Russie, qui sont en France, qui sont partout, des enfants brillants. Nous leur disons de venir pour qu'on fédère les intérêts du Cameroun et de nos frères tchadiens dans cette affaire. Parce que le président, une fois qu'il a lancé cette histoire, il a enfin donné son feu vert, il a demandé à ce que les intérêts des PME, les intérêts des hommes d'affaires camerounais, bref, en un mot, les intérêts camerounais, tchadiens, soient strictement pris en compte dans cette affaire. D'accord. Or, les gens qui prêchent des niches pour capter l'argent dans la perspective des batailles politiques et de prise de pouvoir ont intérêt à écarter un certain nombre de patriotes, un certain nombre, comment je veux dire, que de savoir-faire, de nationalisme camerounais et tchadien de cette affaire pour pouvoir donner les marchés dans un simulacre d'appel d'offres à des gens qui n'auront ni le savoir-faire, ni véritablement la maîtrise technologique. Et donc, si jamais on ne met pas les Camerounais là-dedans, M. Ngalé-Bibé, nous répétons encore, il y a eu réunion, il y aura encore réunion, nous sommes dans le Comfer, c'est-à-dire que dans le comité interministériel, nous y sommes. Dans le compte rendu de la première réunion, on peut même vous produire des audios. Nous sommes là-dedans, parce qu'à tous les niveaux, il y a des patriotes qui ont dit effectivement que s'il faille arrêter les travaux, faire un compte rendu au président de la République, argumenter chaque fois qu'on a saisi le président de la République, que les Camerounais ont saisi le président de la République en argumentant, en expliquant ce qui s'y passe. Vous avez vu avec les lieux indomptables. Je ne savais pas que le président pouvait intervenir sur les lieux indomptables. Mais quand on l'a saisi, on a argumenté, on a mis des éléments pour lui expliquer pourquoi la prestation a été aussi médiocre. Vous avez vu la réaction du président immédiatement donnant instruction au Premier ministre, au ministre des Sports, de reprendre l'équipe nationale en main et d'y instaurer la discipline. Donc dans cette affaire, dans cet enjeu de 400 milliards qui est d'intérêt de défense nationale, de la CEMAC qui part de 400 milliards du chemin de fer de Ngaoundéré-N'Djamena, eh bien, nous disons tout simplement que nous allons voir comment ils vont nous mettre des avenants à l'intérieur qui vont faire que cette affaire va appartenir à M. Bolloré et à ses amis et à ce que j'appelle les espèces de voyous chinois qui s'y prêtent aujourd'hui au jeu avec M. Bolloré, sachant qu'on a de bonnes relations avec notre ami Xi Jinping. Donc si des Chinois viennent jouer ce rôle au Cameroun,
y rencontreront, ils nous trouverons sur leur chemin. Merci à vous, très cher ami Bertrand Tatina. J'ai toujours beaucoup d'émotions chaque fois que je le reçois sur ce plateau parce qu'il a conduit, encadré, illuminé mes premiers pas en journalisme. On est encore là, je crois, 2014-2015, Henri Diabaté-Bandeng. Vous êtes essayiste, historien, mais surtout journaliste. C'est un réel plaisir que de vous avoir. Vous allez me permettre de vous appeler ainsi, cher ami. Merci d'être là. Merci, mon cher Patrice. Particulièrement heureux d'être là une fois de plus. C'est peut-être l'émission du débat panafricain la plus attendue de toute l'histoire. Ah, je vous le dis. C'est peut-être. Je vous assure. Je vous assure. C'est tout le monde qui en parle. Tout le monde veut savoir ce qu'Afrique Média pense des élections au Sénégal. Oui. Parce que tous les panafricanistes veulent savoir. Y aura-t-il, comme mon frère Bertrand Tatina dit, y aura-t-il la fumée blanche ou la fumée? Tout le monde veut avoir le cœur net sur cette histoire. Donc, je voudrais saluer l'Afrique indépendante, les millions d'Africains qui nous regardent partout dans le monde. Je voudrais saluer sur le plateau les différents panélistes. Mon frère Tatina tout à l'heure qui a fait une grosse analyse sur le chemin de fer, la problématique du chemin de fer. J'ai toujours dit que c'est le chemin de fer qui a structuré le développement des États-Unis. La poussée vers l'ouest, c'est le chemin de fer. C'est là où il y a eu les premiers grands conglomérats économiques, industrialo-économiques, la Wells Fargo. Il y a eu cette conjonction entre la construction du chemin de fer, le progrès de la technologie et les activités connexes comme le service postal, tout ça, c'est grâce au chemin de fer. Donc, la colonisation des terres était aussi rendue possible par le chemin de fer. C'est pourquoi le chemin de fer, je suis d'avis, je suis d'accord avec lui, est extrêmement stratégique pour nous, pour le développement du Cameroun, le développement de la CEMAC en général. C'est très important. Pour des problèmes sécuritaires, c'est très important. Pour des problèmes de colonisation des terres, pour des problèmes de développement de ces zones souvent oubliées par l'État central, par les États centraux, c'est important. Bon, maintenant, il faut comprendre que, et ça, il a posé le doigt là où ça se passe, parce qu'il faut comprendre que ceux qui disent souvent qu'Afrique Média sont des aboyeurs se trompent. Je pense que le ministre de l'Eau, la dernière fois que j'étais ici, le ministre de l'Eau, après une résistance de 3 ans, sur le problème, contre la promesse du chef de l'État. Il avait résisté à la promesse du chef de l'État de construire 20 points d'eau dans chaque ville du Cameroun, dont 9 points d'eau dans Onozo, accréditant la thèse que c'est l'État du Cameroun qui empêche que les populations du Onozo aient de l'eau, qui était reprise allègrement par les terroristes de l'Ambazonie. C'était... Le ministre a fait 3 ans, alors que les fonds indiens, les Indiens avaient misé 34 milliards. Ses services demandaient 10% de ces 34 milliards. Il a résisté pendant 3 ans. Il a fallu qu'il y ait la salve d'Afrique Média, je crois il y a 2 dimanches. 2 jours après, il a convoqué une réunion rapide à faire ce projet des 20 villes. Je crois que c'est Etoudi qui a dû lui dire que, petit, fais attention. Ça veut dire que Afrique Média existe, Afrique Média a de l'audience. C'est pourquoi le ministre des Transports serait très avisé, serait bien avisé d'oublier s'il a le moindre intérêt, s'il est le moindre cheval de Troie d'une quelconque coterie dans cette histoire. Maintenant que nous avons les yeux grands ouverts sur ce projet, il y aura plus, le monde ne sera plus le même, c'est fini. Tout ce que vous faites à la Comifère dans la nuit, nous on a ça dans la journée. Donc je vous avertis, et Paul Biya sera avisé en temps utile, dans les conditions normales de température, de pression, il sera au courant de tout ce qui se passe au Comifère. Je crois que tous ceux qui en avaient contre le port étaient étonnés de savoir que le chef de l'État, malgré toutes les chicanes qu'il mettait en route pour que les lettres n'arrivent pas chez le chef de l'État était très bien informé de tout ce qui se passait au niveau du port. Ils avaient même juré, m'a-t-on dit, que si le directeur du port atteignait l'année 2020, eux, ils allaient se suicider.
Mais ils ne se sont pas encore suicidés. C'est là où j'ai compris leur moralité, compris que ce n'étaient pas des gens normaux, ce n'étaient pas des gens sérieux. Donc, le ministre des Transports serait très avisé, bien avisé, d'être sérieux, ça veut dire que les intérêts du Cameroun doivent être sauvegardés dans cette histoire. Il n'y aura pas d'excuses. Nous allons frapper avec la dernière énergie. Très important. Maintenant, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais, quand je vois mon frère Jonathan Batengene, il me fait penser tout de suite à la génération forte au Sénégal, à tous ces jeunes qui bougent la société au Sénégal. Et je suis sûr qu'il y en a plein au Cameroun qui veulent faire bouger la société, qui ont l'intention de faire bouger la société, mais ils sont un peu comme la société allemande après la révolution d'octobre de 1919, c'est-à-dire que le mouvement spartakiste de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht avait pris la rue, avait pris le pouvoir, ils contrôlaient le Parlement, ils contrôlaient la chancellerie, mais ils n'arrivaient pas à prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'idéologiquement, ils n'étaient pas prêts. Oui. On n'avait pas encore, les communistes n'étaient pas encore organisés au niveau du comité pour prendre le pouvoir en Allemagne. C'était dommage. Et ils ont été doublés par les conservateurs alliés aux sociaux-démocrates qui ont fait une alliance contre nature pour abattre le mouvement révolutionnaire. Et c'est un peu le drame de la jeunesse africaine qui a soif de changement, qui veut le changement, mais à la fin ne sait plus, peu préparée idéologiquement, elle arrive à mal analyser les situations et à se faire l'otage de forces dangereuses. Et à la fin, c'est le désenchantement. Donc, je n'ai encore rien dit. Moi, je peux vous lire entre les lignes. c'est pour revenir sur le Sénégal en disant, en rendant hommage, en parlant du Sénégal à un homme, puisque le Sénégal fait partie du projet d'aujourd'hui, en rendant un hommage à un homme qui avait 26 ans, qui était l'instigateur du mouvement du 22 mars, qui a déclenché l'étincelle de mai 68 en France. Il était normalien, brillant normalien, où c'était lié d'amitié avec Sartre. Tous les philosophes de la place de Paris l'aimaient, Breton, Sartre, tout le monde voulait être avec lui de sa table parce qu'il était... Il venait du Sénégal, il s'appelait Omar Blondin Diop. Il a été expulsé de France au même moment que Daniel Cohn-Bendit après les événements de mai 68. Il a été arrêté par le président Senghor, jeté en prison et assassiné dans sa cellule à l'île de Gorée par le ministre sénégalais de l'Intérieur, qui était un Français qui s'appelait Jean Collin. C'est lui, patron des services secrets français. Il était ministre de l'Intérieur au Sénégal, mais il était patron des services secrets français à Dakar. Jean Collin, c'est lui, était l'agent traitant de Senghor, président Senghor. C'est lui qui a ordonné qu'on l'assassine parce qu'il disait... Il est comme au sein des Afana, il ne faut pas qu'il vive. Parce que tant qu'il est vivant, il va agiter les populations. Il va créer... Vous savez, l'impérialisme se nourrit de quoi? La désinformation. Quand les gens ne sont pas bien informés, ils sont à l'aise, ils mentent. Ensuite, quand ils sentent que vous êtes imperméable au mensonge, parce que quand idéologiquement quelqu'un est prêt, il est imperméable au mensonge, à la désinformation, il passe au stade suprême, la violence, il te tue. C'est pour ça qu'il fallait tuer Oum. Il fallait tuer Oum Yobé, il fallait tuer les Moumiers, les Wandiers, parce que c'était des gars tellement idéologiquement prêts. Plus ils passaient du temps sur la terre, moins les intérêts français étaient préservés. Donc du coup, Omar Blondin Diop constituait cette grosse menace pour les intérêts français au Sénégal. La pire des menaces. Alors on l'a assassiné dans sa cellule à l'île de Roux. Et le ministre français, le ministre sénégalais de l'Intérieur, qui s'appelait Jean Collin, qui était un Français, malgré les 10 années d'indépendance du Sénégal, c'est un comble. Je ne sais pas s'ils sont déjà sortis de cette identité française. Jean Collin a dit que il a prétexté que Omar Blondin Diop était en manque de drogue. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Or, l'autopsie a prouvé que il a reçu des coups d'objets contondants qui ont provoqué sa mort de façon directe. C'était le prisonnier du président Senghor, tant aimé par la France, adulé par la France, qui le présentait comme le plus beau noir de l'espèce humaine.
généré par Dieu. Mais nous, on n'a jamais oublié. Senghor, lui, sortira à jamais de nos têtes en tant que politicien. Mais Omar Blondin Diop, on n'oubliera jamais son visage. Visage d'un jeune homme qui croyait à la vie. D'ailleurs, c'était l'un des premiers. Il avait peut-être, quand on assassinait au sein des Afana, il avait 24 ans. Mais c'est lui qui avait alerté l'opinion publique en France sur l'assassinat commis par les services secrets français dans la forêt à l'Est, qui avait assassiné au sein des Afana. Donc Omar Diop représente cette génération forte. C'est à lui, quand on voit la victoire de Bassirou Faye, l'immense marée, raz-de-marée populaire au Sénégal. Canis, au sujet des événements qui se déroulent au Sénégal, vous êtes avec nous sur ce plateau central. Je ne sais pas si vous êtes entre-temps converti à l'islam, mais on est tout heureux de vous avoir. Bonjour, présent. Bonjour. J'espère que c'est l'interview islamique, le bazar. Mais c'est une tenue très prisée au Mali. Ouais. Et qui est en train de, qui normalement est une tenue africaine aujourd'hui et qui mérite d'être promu quand on a l'occasion de le faire. D'accord. Donc je ne pourrais pas aller au Mali et ne pas rentrer avec du bazar. Ce serait insulter le Mali. Je suis fier de porter le bazar comme offert au Mali. Et voilà, donc c'est tout. Il n'y a pas. Il n'y a pas notre histoire derrière. Non, je n'ai pas besoin de m'islamiser pour. comment on dit ça, pour reconnaître qu'aujourd'hui l'islam est l'une des religions qui a pignon en Afrique et qui structure la foi des millions et des millions d'Africains. C'est un fait. On appelle ça le fait religieux. En sociologie, c'est les affaires de Patanguéné. On appelle ça le fait religieux, il est là, donc on fait avec. Je n'ai pas besoin de m'islamiser, non. Je suis moi, toutes les tenues qui en pignon en Afrique et qui font l'Africain d'aujourd'hui au XXIe siècle, je suis très à l'aise pour les porter. Eh bien, je fais pas dans le folklore, je ne fais pas dans les phénomènes de mode. Je ne fais pas dans le folklore. Donc c'est sérieux ce que nous faisons. Je voudrais saluer mes copanélistes, Jonathan Batenguené, il connaît désormais ses responsabilités dans ce combat. Je ne vais pas le lui rappeler. Je salue Henri Diabaté Mandeng. Il vient de démontrer la puissance de son cerveau. C'est une mémoire extraordinaire. Il vous a sorti de son chapeau. Aujourd'hui, Blondel Diop, que beaucoup d'Africains ne connaissent pas, ne savent pas, et même que beaucoup de jeunes Sénégalais ne connaissent pas l'histoire. Parce que la naissance de l'État sénégalais à l'indépendance avec Senghor, avec Mamadou, avec Dia, tout ça, etc., avec les gens comme Blaise Dia. Quand nous rappelons ces choses-là, ici, les gens pensent que nous sommes dans une espèce de vandalisme. Non. Non, on ne comprend pas le Sénégal si vous n'avez pas étudié ces figures-là. Et les intérêts qu'il y avait derrière. Les projets qu'il y avait derrière. Donc, quand je dis souvent que c'est une mémoire, vous voyez là encore, il vient de nous sortir. Salut Bertrand qui. Nos relations ne sont plus à présenter. Je te salue toi-même, je salue Carlos, l'équipe technique qui fait un travail extraordinaire pour qu'on soit à la page, techniquement parlant. Mais je voudrais reprendre à mon compte ce qu'a dit Jonathan concernant Hervé Pinto, en Martinique, là-bas, dans ce que moi j'appelle les dom-toms, pour démontrer justement que la France était un État raciste. Ça, c'est connu, puisque on permet l'existence d'un parti qui désigne des êtres humains sur la bannière de l'infériorité à cause de leur peau. Le parti, le Front National, qu'on appelle Rassemblement National, qui pour moi c'est la même chose, c'est un parti xénophobe, dirigé par une xénophobe, par un jeune xénophobe, qui estime que les Africains ne sont pas des êtres humains, et qui explique, et qui dit que pour faire sortir la France de son déficit structurel, n'est-ce pas, et abyssal, il faut supprimer les prestations sociales qu'on, entre guillemets, on donnerait aux Africains, aux immigrés. Vous voyez comment la xénophobie devient, n'est-ce pas, la xénophobie est au cœur, n'est-ce pas, des dynamiques politiques et institutionnelles d'un pays qui se dit la patrie des Lumières. La patrie des Lumières. Et bon, ça semble ne pas déranger les Africains qui disent que c'est une démocratie. Ça ne dérange pas. Mais je voudrais nous rappeler que, justement, c'est une démocratie comme l'était Athènes,
comme c'était à Rome. C'est-à-dire que le démos a émergé dans la xénophobie absolue, dans la xénophobie et l'esclavage. Donc, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de démocratie occidentale sans xénophobie et sans esclavage. Bon, observez très bien maintenant, depuis Athènes, Rome antique jusqu'à aujourd'hui, regardez si, depuis si l'Occident, depuis ce moment-là, si l'Occident, jusqu'à aujourd'hui, s'est construit, a construit la démocratie sans l'esclavage, sans la xénophobie. Non, mais je vous dis, je vous prends à témoin. Hein. Je vous prends à témoin. Bon, maintenant, il n'y a qu'en Afrique, on nous dit que non. On peut être un esclavagiste forcené, on peut être un xénophobe forcené, un raciste et être un démocrate. Il n'y a qu'en Afrique où on entend ça, où les intellectuels, soi-disant, il y a un qui a reçu un prix l'autre jour, je ne sais pas dans quel pays, on dit que non, il faut le célébrer. Hein? Un réactionnaire comme ça, de bas niveau, c'est même parce que moi, je ne veux pas le lâcher. Je ne le lâcherai jamais avec ce qu'il incarne. Je ne veux pas le lâcher. Parce que si vous appelez ça intellectuel, vous avez un problème. Et que, on l'a saisi, on dit que c'est le Nobel, que c'est, ça se correspond au Nobel, le Nobel des sciences sociales. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que tous ces travaux-là, c'est quoi? C'est l'ethnologie du 21e siècle. C'est ça l'ethnologie. C'est-à-dire toute la théorie et la soi des sciences qui a justifié l'esclavage des Africains et le déni de leur humanité. Alors, quelqu'un aujourd'hui, on dit qu'il faut le saluer. Bon, c'était l'ami de Mandé-en-Vent. Hein. Je ne sais pas si ce sont toujours les amis, mais bon. Rassurez-vous, non. Ah, ben, je dis, c'est qui, je sais. Il est là, non? Je suis fasciné par ses travaux sur Oumu. Il a contribué à sortir des catacombes de l'oubli, de la culture mémorielle, le sacrifice de Oumu et de ses camarades. Donc, ses premiers écrits. Écrit sous Macky de Oum, il a écrit plusieurs livres. Le problème national camerounais. Le problème national camerounais qui ont permis à beaucoup de comprendre, qui ont maturé la conscience politique de beaucoup d'individus. Bon, maintenant, il est rentré dans une posture de négro-politanisme, créer une sorte de mondialisation de l'humanité, d'africanité. Bon, nous, on comprend que ce revirement. C'est normal. C'est la, vous savez, quand vous avez été longtemps enseignant et que subitement la retraite est là et subitement ça vous permet, vous pouvez avoir des voyages. Oui, je vais vous expliquer. Beaucoup de Noirs qui étaient dans l'enseignement, en France notamment, ont fui la France, sont allés aux États-Unis. Ils ont constaté qu'il y avait un fossé immense entre la considération qu'ils avaient en France et celle qu'ils avaient aux États-Unis. Achille Mbembe, les Felwine Sarr font partie de cette génération. Ils sont arrivés aux États-Unis, on leur a donné des chairs directement. Hein. Au vu de leurs travaux, on leur a donné des chairs directement. Sauf qu'ils ont travesti leur pensée, ils sont rentrés dans un business. À partir du moment où ils se sont considérés aux États-Unis, on les a récupérés et maintenant les mettre au service d'une idéologie rétrograde. Comment faire pour refabriquer, pour reconditionner mentalement les Africains? C'est ça. C'est fort ce que vous dites. Je pense que j'aime beaucoup débattre avec Mandem parce qu'avec lui, le débat est très riche. Même les écrits sont marqués, le problème national camerounais, allez bien fouiller. L'important n'est pas d'exhumer des catacombes, comme tu as si bien dit, les écrits de Oum, et de les mettre sur la place publique. Bon, c'est le mérite d'un chercheur, il a fait, il ne faut pas nier ça. Moi, je ne veux pas nier ça. Mais dans quelle perspective ça s'inscrivait? Bon. C'est ça le débat. Et nous qui avons une expérience, une certaine expérience, dont de vieux militants, Mandem, tu le sais, Nous, on connaît. Dès ce moment-là, nous, on a commencé à voir. Et j'ai eu ce débat avec Batangene qui est assis là lui-même. Lui-même, c'est vrai. À un moment donné, ça m'a coûté mes relations avec Batangene. Comme il est un monsieur très honnête, il a au moins reconnu ça. J'ai même mis ça en public. Hein. C'est lui qui a reconnu. Il a fait des émissions, des vidéos. Il a parlé de ça. Il dit, bon, ok, on peut revenir dessus. Bembe, moi, je le suis depuis. Les batailles contre Bembe, c'est depuis. Hein, que moi, je l'amène au Cameroun, depuis. Donc, oui, les gens pensent que c'est comme ça, pas commencé aujourd'hui. C'est un mérite, président. Oui, nous savons voir ces choses. Lors de la crise ivoirienne, Bembe a signé une tribune avec un autre mercenaire qui se casse. Célestin Monga. Oui, Célestin Monga. Pour dire que Bagbo, c'est le démon, c'est un chef ethno-tribal. Ils ont soutenu Ouattara. C'est là le retournement. Mais voilà. Le moment du retournement. Voilà. À l'époque, le seul Kamouna à l'époque qui nous avait rejoint dans ce combat, même si aujourd'hui il est devenu ce qu'il est, c'est Gabriel Charles Mbok qui avait conduit toute une
C'est-à-dire que tout un document intellectuel, publié par la Nouvelle Expression à l'époque au Cameroun, pourrait répondre que dit que, mais écoutez, ça, c'est pas possible, ça que vous là, qu'on veut, mais vous êtes que genre d'intellectuel. Nous, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Même le détournement du combat de l'ANC, etc., à un moment donné, où on vient, on prend un camp, on prend ceci, tout ça, hein, nous suivons tout ça depuis. Mais bon, c'était pas le débat. C'est pour dire que le combat pour l'africanisme, c'est aussi la bataille intellectuelle. C'est la bataille de l'intellectualité, c'est la bataille contre l'hégémonie intellectuelle. Tout simplement. Alors, tout s'est pris comme dans l'Occident, là, c'est pris la machine qu'on sort. Il faut être naïf pour croire que la science de l'oppresseur est neutre. Il faut être naïf. J'ai dit ici que la science, l'opprimé ne peut pas prendre la science de l'oppresseur pour se libérer. Ça ne marche pas. C'est impossible. Parce que la science de l'oppresseur, c'est une science de la domination, c'est une science de classe. De l'exploitation. Alors, donc, la bataille de la libération, c'est aussi la bataille pour la libération scientifique, rejeter l'hégémonie. L'hégémonie intellectuelle qui est imposée par toutes sortes de canons, de structures, bref, qui est la répercussion de l'hégémonie financière, de l'hégémonie économique, etc. Donc, c'est en ce sens que je le dis. Ah ben maintenant, Mandin, c'est que c'est un grand panafricaniste. Je ne doute pas un seul instant de sa capacité à faire cette distinction-là. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que. Désormais, le pont entre le continent et sa diaspora dans tout le monde entier est jeté. Donc, les politiques nazies et d'apartheid que la France pratique dans les dom-tom, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, partout là, ne passeront plus inaperçus. Et Pinto, Hervé Pinto, ce n'est qu'une figure emblématique, mais d'une lame de fond dans ce territoire-là, qui est créée dans des grandes politiques de remplacement, même démographique, d'élimination de ces populations-là. La colonisation par les béquets doit arriver à son stade, au stade suprême, où la France métropolitaine maintenant veut rentrer dans ces domaines-là et parachever une politique qu'on voit en métropole. C'est-à-dire que le blanchiment de la population. Bien sûr, le blanchiment de la population, le blanchiment total de l'économie, l'arrachement des terres, etc. Et un pays comme ça ose parler, un pays comme ça, les Africains appellent ça démocratie. Les mêmes gens qui critiquent la dictature en Afrique s'éteignent et appellent la France démocratie en fermant les yeux sur la nuit de la France. La partie noire, encore que la France est noire partout, mais la partie essentiellement noire. Je quand je dis noire, je veux dire au niveau... Blanche comme le tableau blanc. Non, je veux pas utiliser un mot de bébé, comme je ne le soutiens pas. Bon, la partie la plus... Sombre, merci. Le caractère sombre, mais qui n'est pas seulement un aspect, mais qui est même la nature cachée de cet état-là. Allez analyser les politiques qui se passent depuis longtemps, dans les dom-tom. Et venez voir le pays là qui ose parler aux Africains, qui ose dire qu'ils n'ont donné de leçons aux Africains, et que les Africains acceptent ça. C'est-à-dire, dans leur relation avec la France, c'est-à-dire, ils ne regardent pas le sort de leurs frères, n'est-ce pas, dans ces endroits-là. Ils sont dans le territoire français, ce sont des Français, mais qu'on a réduit en français de seconde zone, à tout point de vue. C'est peut-être que je soutiens que la bataille. Et nous serons toujours là désormais. On va donner le coup de l'écho à ce combat. S'ils veulent qu'ils ne libèrent pas Pinto, ils vont voir. On ne va pas se taire. On va continuer à traquer cette affaire-là. Donc, ça, c'est un. L'affaire Bimaï aussi, je vous en prie. L'affaire Citrafer. Ben écoutez, c'est. Comment dire ça? Ce sont les misères de l'état de droit Cameroun. Les misères de l'état de droit. Nous avons déjà indiqué ici que l'état de droit ne veut pas dire un état de justice. L'état de droit, on a dit ça ici, que les gens pensent que... Donc quand les gens font, on dit que le Cameroun n'est pas... Non, le Cameroun c'est un état de droit. Il y a même l'état de droit néocolonial, c'est-à-dire que vous transférez chez vous le système juridique du colon en l'atropicalisant, en l'indigénisant, voilà, en l'indigénisant, ça produit des états de droit qu'on a. En ce sens-là, le Cameroun c'est l'état de droit. C'est pas dire l'état de justice. Ça ne veut pas dire qu'on oublie que dans un état de droit, les lobbies financiers, les intérêts, les puissants intérêts économiques tordent le cou au droit, à la justice. Mais il y a plus grave au Cameroun, c'est l'un des rares pays où on fait croire que l'état de droit veut dire que les juges et les magistrats doivent aller contre l'intérêt de leur pays. Est-ce qu'on fait croire aux gens? Donc, quand il s'agit de dossiers comme ça, vous regardez la sérénité avec laquelle le droit est dit. Vous assurez que dans notre pays, ça peut aller vite comme ça. Hein? Non, détrompez-vous.
Non, non, non. Ce sont des magistrats qui appartiennent à des réseaux de Lando Colonna, au service du Colonna RS métropolitain. C'est ça qu'il s'agit. On n'est pas si pris par justice. Cette affaire est emblématique, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé dans les privatisations au Cameroun. On a bradé le patrimoine du pays parce que les gens préparaient, les gens voulaient s'enrichir. Deuxièmement, les gens préparaient leur avenir politique dans la bagarre de la succession qui a commencé depuis très longtemps. Hein. Troisièmement, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Quatrièmement, comme dit, les gens étaient dans la pratique de l'administration camerounaise, à savoir une inconscience, un anti-patriotisme, et le fait qu'un bon fonctionnaire, celui qui à la fin est très riche, peut construire des villas qui n'ont aucun rapport avec ses revenus. Donc, c'est ce qu'on entrevoit dans l'affaire. Là, on a démontré aussi que cette affaire, c'est-à-dire que au cœur de ce que un processus de privatisation, 30 ans après, n'a produit aucun champion local, même un mini champion local d'un domaine quelconque. Mais c'est quand même extraordinaire. On lamine. Tout génie local qui veut émerger dans un secteur, n'est-ce pas, où l'embolinesse de la privatisation est passée, on l'écrase. Bimaï, cette affaire, c'est pas l'homme, on n'a pas la promotion d'un homme, cette affaire était au cœur, n'est-ce pas, du grand projet qu'il y avait derrière les lois, entre guillemets, qui ont encadré la privatisation, y compris dans la nouvelle loi sur le chemin de fer. C'était au cœur de cette affaire où l'idée centrale était qu'à travers cette privatisation, on consolide l'expertise camerounaise, on l'améliore, la perfectionne dans le cadre d'un gigantesque institut du chemin de fer dans lequel cette affaire avait un rôle central à jouer et qui devait déboucher sur une maîtrise du projet du tramway dans notre pays. Il y avait un très grand projet derrière, mais Bolloré a décidé que cette affaire-là, ça ne passera pas. Non seulement l'État va garantir mes crédits, après ça c'est vous qui allez payer, non seulement l'État garantit, mais je m'associe avec la Banque mondiale à travers le directeur, celui qui est censé suivre le projet des opérations, pour détruire une entreprise qui à la longue devait nous gêner dans notre projet de monopoliser tout le chemin de fer et empêcher l'émergence d'une expertise locale et d'un capital local dans ce secteur-là. Dites-moi comment une justice qui est un état de droit, qui est dit au nom du peuple camerounais, peut prendre des décisions qui parlent à l'encontre des instructions présidentielles, n'est-ce pas, à l'encontre d'un tel projet. Et encourager un individu qui, à la faveur d'une enquête prescrite par le chef de l'État, est apparu. La conclusion de l'enquête dit que c'est lui qui a assassiné les gens à Ezeka. Elle dit c'est lui, c'est à cause de lui qu'il est mort d'Ezeka. Et un monsieur comme ça est dans le pays, il compte. Il est là, il nague le pays, il nague tout le monde. Nous n'allons pas nous taire, Manding l'a dit. Cette affaire-là, nous l'avons dit la semaine passée. Nous n'allons pas laisser ça. Que le ministre des Transports joue. Non, je ne sais pas s'il veut jouer ou pas. Il est libre de jouer ou pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des grandes manœuvres qui sont en vue. Non. Ce sont. Mais vraiment, nous préférons regarder de loin. Non, c'est ça. Oui. Moi, je mets le pied là-haut, on met le pied dans le plat. Ce sont des réseaux francs-maçons. On ne sait pas si leurs intérêts de francs-maçons, ils vont mettre ça de côté, ils sont en mesure d'articuler ça avec les intérêts de notre pays. Moi, je ne compte pas sur le ministre des Transports. Si se réveille, tant mieux. Mais depuis depuis que l'affaire a commencé, je n'ai pas vu. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, le dossier est tellement clair. Comment on peut détruire une pareille entreprise? Comment on peut laisser mourir le grand projet qu'il y avait derrière cette privatisation? Si on prend le secteur ferroviaire, qui fait qu'aujourd'hui, le Camerounais, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de transport routier, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de transport ferroviaire. Bolloré a dit que le transport social, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez que j'intervienne, vous me subventionnez, même quand vous subventionnez, il y a les vieux trains qu'on a repeints, des rails qui ont été démontés, et les populations sont maintenant en train de se dévolter partout pour dire que mais c'est qu'elle a fait ça. Donc il faut qu'à un moment donné, les gens fassent attention. Et c'est pareil pour la fête de Pâques. Ça devient un débat. Non, faut pas simplifier ça. C'est important ce débat-là. C'est le débat de la libération théologique du continent africain. C'est important. C'est important pour le bon
Non, non, libération théologique. Parce qu'on a voulu faire croire aux Africains que l'horizon indépassable de la théologie africaine a commencé avec l'arrivée des religions dites révélées. Il est important de rappeler ça. Non. Non seulement il est démontré aujourd'hui, ce que Poutine dit là, tout à l'heure, c'est Jonathan qui nous a parlé de Poutine et des révélations. Si tout ça est vérifié, des révélations, n'est-ce pas, où Poutine démontre... Non, non, je dis, c'est-à-dire que reconnaît... Il y a assez de travaux pour montrer non, mais je vous dis, la pertinence des propos de que Jésus était, que c'est tout, que Jésus était noir, etc., les abîmes, tout ça, que tout ça, c'est une affaire authentiquement nègre. Vous imaginez les conséquences? Les conséquences vont demander... Il faudra expliquer aux Européens à partir de quand ils sont chrétiens. Non, attendez, c'est une affaire. Vous, c'est vous qui vous amusez à cette affaire-là. Mais c'est que Poutine dit, ça fait 15 ans que je dis ça ici. Bon, on dit que finalement, du moins, l'Europe collective dit que Poutine veut désormais monter les Africains contre les Européens sur en tout cas ce qu'il reste encore de lien entre l'Europe et l'Afrique, c'est-à-dire ben, la foi chrétienne. Vous avez donc compris qu'ils ont compris les enjeux. Bertrand est témoin, Jonathan, tu es témoin. Le dernier congrès panafricaniste que nous avons organisé, la plaquette. Mais ce document, j'ai consacré au moins 20 pages sur cette question, où je démontre que l'Occident ne peut pas être appelé qualifié de chrétien. Mais quand je dis ça, on dit que un courant qui veut infecter le panafricanisme disait que non, celui-là c'est un aliéné, il parle de Jésus. Ils n'ont jamais compris quand on parle de Jésus, de quoi est-ce qu'on parle. Ils n'ont jamais compris. Aujourd'hui que c'est Poutine qui dit ça, mais c'est bien. Parce que quand on a commencé la question de France CFA ici, on nous a insulté, mais quand Macron a soulevé ça, les gens sont sortis, maintenant tout le monde est derrière, le France, non, France, France. Nous on est habitué à ça. Le débat est, au mouton de vous, il a produit au moins 4 vidéos, où il démontre comment on a blanchi la Bible. Blanchi la Bible. Mais quelqu'un blanchit un document, vous dites que c'est pour lui. Une différence entre un document qu'on a blanchi et l'original du blanchi. Alors, le travail qu'il a fait, c'est de trouver les originaux. Claire. Et comprendre cette affaire-là. Donc, il y a un enjeu de libération théologique en Afrique qui bat son plein. La libération théologique, la libération métaphysique du continent africain. On mène ce combat-là sans verser dans certains excès inutiles, sans emprunter même des masques sous couvert desquels on fait semblant d'être très, très authentiquement nègre. Alors que tout ça, on est des agents manipulés de certains réseaux internationaux que nous maîtrisons très bien, mais que pour l'instant, nous avons pris sur nous par responsabilité de ne pas créer de ne pas aggraver certains affaires, de ne pas confondre le front de combat. Vous voyez comment les événements évoluent? Les événements évoluent et convergent et démontrent que certaines vérités. Ça nous oblige à en parler. Oui, mais attendez, mais je vous dis, des vérités vont s'imposer. Et Boussi Boulaga, père à son âme, il a écrit un livre, L'enjeu de Dieu en Afrique. Allez lire ce livre. L'enjeu de Dieu en Afrique. Manding, c'est de quoi il parle. L'enjeu de Dieu en Afrique, parmi d'autres livres. Allez lire ce livre. Le débat n'est pas fini. L'enjeu de Dieu en Afrique, c'est que l'antériorité et l'ancienneté théologique de l'Afrique est à l'origine de toutes les théologies, de toutes les métaphysiques, de toutes les théories métaphysiques, de toutes les théologisations que nous observons. Il faut rappeler ça. C'est important de rappeler ça. Sans créer des guerres de religion sur notre continent. D'accord. Sans créer des batailles inutiles. Merci voilà. À vous, Président Banakani. Non, je vous en prie. Cette antériorité nègre, négro-africaine, sur la culture théologique, en fait préfigure de ce que la science a d'abord été nègre. Mais bien sûr. Oui, préfigure de ce que la science a d'abord été nègre. Ça, c'est-à-dire cette conclusion était terrible venant d'un prêtre. Et continue même. Ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Parce que les Africains inventent. On se met dans le débat. Les Africains créent beaucoup. On achète leur création. Parce que les États africains sont dans l'État où ils sont. On achète leur création. Et on les blanchit. On confie ça. Jusqu'aujourd'hui, les Africains continuent à inventer les choses. Sauf que ben, quand on achète les brevets, c'est une affaire de loi. Hein. Quand on achète les brevets, ben, vous avez compris. Alors, on efface le noir et on met à l'avant le blanc. Ça ne s'est pas arrêté. Henri, cette prééminence de l'Afrique dans la science. Voilà. Sauf que maintenant, ce n'est plus au niveau des États, mais au niveau des individus, ça ne s'est jamais arrêté. Merci à vous, très cher monsieur. On parle aujourd'hui d'une église catholique africaine. Pourquoi au pas? Vu de la réaction de l'épiscopat
africaine tenue par le clergé africain sur les déclarations du pape de dire qu'il faut anoblir les couples homosexuels. Eh bien, l'Afrique a démontré que même aujourd'hui, au sein de ce qu'on peut appeler la grande église de Rome, eh bien, un schisme, comme le président Bandé a souvent dit, eh bien, ça commence à bouger. Non, ça vous plaît. Ça a amené le pape à reculer et à faire quelque chose qui est. On n'a jamais vu. On n'a même vu. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de fondation dans son, ce qu'ils appellent leur droit canon. Le bêtise là, le canon là. Il a dit que bon, l'affaire c'est pour. Excusez-moi, oui, non, je pour l'Afrique, oui, c'est spécial. C'est une exception, oui. Bon, ça n'a aucun fondement théologique cette affaire. C'est pas un cadeau. Non, 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 c'est pas un cadeau, c'est pas une faveur que le pape fait. Il était obligé. Non, il n'a pas le choix. Et ça, attendez, c'est un pas. Ça ne va pas s'arrêter là parce que l'épiscopat africain dans son ensemble, ouais. S'il. Elle ne se reconcilie pas avec ce combat de libération ontologique. Elle va se placer devant que l'Africain en disant pour faire les grimaces qu'ils font. C'est ils vont se placer comment? L'heure est venue où la théologie, l'enjeu de la libération spirituelle d'Afrique, ça va consister à mettre le sultan et faire les grimaces et réciter un vieux missel qui dure 2024 ans. C'est fini ça. Les Africains veulent autre chose. C'est vrai. Donc, l'épiscopat catholique, pour ne parler que catholique, c'est vrai pour le protestantisme, c'est vrai pour l'adventisme, pour tous ces courants chrétiens, s'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, renouveler le culte, les théologies, le canon, les canons religieux, et réconcilier ça avec les vrais enjeux de Dieu en Afrique aujourd'hui, ben ils vont subir une sorte de Merci à vous, Jonathan, président Bandakani Betra, mais surtout Harry Diabaté Mandek. Monsieur, vous avez demandé que le débat soit, et bien qu'il soit donc avec vrai pour l'islam, hein. Merci à vous. Non, c'est vrai pour l'islam. D'accord, on ne les a pas oubliés, mais dans cette transition, monsieur. Parce que même là-bas aussi, on vous dit que tous ces gens-là étaient des noirs. On s'intéressera aux premières paroles de Bassirou Diomaye Faye à 24 heures de l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Le débat dans le débat, c'est aussi ça, la télévision panafricaine. Monsieur, prenons donc cette première déclaration de Bassirou Diomaye Faye, président élu du Sénégal à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, le 25, quelques heures seulement après sa brillante élection. Le candidat du PASTEF déclarait, je cite, je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidons les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Une déclaration qui a donc eu le mérite d'interpeller, bien entendu, les uns et les autres, surtout les leaders panafricanistes, sur cette question, alors que beaucoup voient, pensent, croient dur comme fer, que l'installation d'un gouvernement purement panafricaniste a donc vu le jour du côté du Sénégal. Est-ce que nous sommes en train de nous tromper sur l'individu ou alors c'est une mauvaise interprétation de sa sortie? Était-elle faite sous le coup de l'émotion? On passera cette sortie du président désormais au peigne fin. Jonathan Batenguené, je vous retrouve très rapidement pour évoquer avec vous les dits, mais surtout les non-dits d'une déclaration qui est censée mettre, poser les jalons de celui qui a dit, on le verra bien entendu dans la suite de notre débat, qui a posé au débat en tout cas de la rupture avec la politique france-africaine telle que vécue et imposée dans son pays. Vous savez, cette partie du discours du président Diomaye, à qui nous adressons déjà nos félicitations, ainsi qu'à tous les militants du PASTEF, mais surtout au président Sonko, qui a eu un mérite, c'est d'être resté dans ce combat pour renverser la dictature de M. Macky Sall. En fait, dans ce discours, nous ne voyons pas véritablement une approche
qui est en droite ligne avec l'idéal qu'il avait présenté, c'est-à-dire la rupture. La rupture, il faut d'abord la définir. La rupture, ça voulait dire la fin d'une manière de faire. Cette manière de faire, s'il faut s'en tenir au discours du candidat Bassirou Diomaye Faye, il disait que cette manière de faire est d'abord incrustée dans une France-Afrique. Et il identifiait par exemple avec des éléments comme le franc CFA. Quand il disait donc rupture, on entendait rompre avec le système néocolonial. Or, le consensus néocolonial sénégalais, on l'a plusieurs fois ici étayé, c'est un consensus qui établit la participation à la continuité néocoloniale des élites politiques, religieuses, économiques et même culturelles. Et toutes ces élites mises ensemble travaillaient, y compris même militaires, parce que c'est un système assez complexe. Le système Sonko avait commencé, ou du moins le système du PASTEF, avait réussi à mobiliser les bases d'une rue panafricaniste. Nous insistons surtout là-dessus parce que quand les manifestations de 2021, de 2022 vont avoir cours, on va voir une rue panafricaniste qui va s'attaquer aux intérêts de l'hégémonie française et qui va cibler ses intérêts comme étant les moments de les points de revendication les plus importants. Cette rue panafricaniste avait perçu ces moments de rupture dans le discours essentiellement porté dans la fin des éléments de la néocolonie. Les accords, étant député, Sonko, l'honorable Sonko, avait clairement indiqué que la question du franc CFA est un gros problème pour le Sénégal. Il a également adressé une autre question, la question du gaz. Concernant le gaz, depuis 1965 que le Sénégal pompe du gaz, 1965, aucun chef d'État n'inscrit le gaz dans les questions budgétaire. Le gaz, le Sénégal n'était même pas répertorié comme un pays producteur de gaz. Voilà un élément que Sonko a posé sur la table. Oui, effectivement, et qui faisait partie de ce qu'on appelle la rupture. Fallait rompre avec les accords. Dans un de ses discours, étant député, il revient sur la question des accords néocoloniaux avec la France. Il va même jusqu'à attaquer le rapport de Macky Sall avec le système néocolonial français. La rupture, c'est donc une rupture avec le système néocolonial, pas une rupture avec le macisme, c'est-à-dire une doctrine étatique basée essentiellement sur le principe suivant lequel on suit Macky comme des moutons, le macisme. Il ne rompt pas seulement avec, il rompt avec le système néocolonial. Donc, il faut à ce niveau déjà distinguer le principe de rupture. Ce n'est pas une rupture avec un régime. Un régime, c'est la rupture avec un système. Système néocolonial. Cela avait bien été adressé. Sauf que, et c'est là où nous avons perçu les dangers, ou du moins les pièges de toute cette lutte, le candidat Sonko, ou du moins le président Sonko, lorsqu'il se présente comme étant celui qui porte cet idéal de rupture, il y a en face de lui, et il le sait, et d'ailleurs même beaucoup de ses soutiens venaient de là, il y a Lando Kolona, qui fait partie du consensus néocolonial sénégalais. Cet Lando Kolona va être blessé de manière narcissique, surtout ceux qui se considèrent comme les pères de la politique au Sénégal. Ils ne sont pas véritablement des acteurs politiques.
au premier plan, mais ils sont des acteurs politiques connexes. Ceux-là, c'est par exemple les élites cléricales. Sur la question des élites cléricales, essayons un peu de nous appesantir un instant. Le Sénégal est gouverné depuis le début, depuis les indépendances, par les marabouts au Sénégal. De manière indirecte, c'est les marabouts qui gouvernent. C'est les marabouts qui décident de qui sera président. Mais qu'a fait la France? Le président Banda nous a édifié sur le rôle de Blaise Diagne. Mais quel a été le rôle profond de Blaise Diagne? Le rôle profond de Blaise Diagne, ça a été de domestiquer la sphère locale des marabouts. En impliquant les marabouts dans un jeu de collusion avec les intérêts néocoloniaux. Si bien que la reproduction des intérêts coloniaux était en fait la reproduction aussi des intérêts maraboutiques. Donc les marabouts et les colons ont des intérêts qui sont devenus carrément les mêmes. Ils sont devenus identiques. Et ça a été le travail de Blaise Diagne. Dans les années 60, le grand combat entre Senghor et Abdou Diouf était au sein de la grande confrérie Mouride. C'est dans la confrérie Mouride qu'il s'est posé des problèmes entre Senghor et Abdou Diouf. Et puisque les deux partageaient des liens étroits, c'est là-bas que tout a été arbitré, avec bien sûr le concours de Paris, parce qu'il y a des marabouts. Voilà. Et c'est là-bas que les marabouts qui avaient accès à Paris ont réussi à délier l'affaire Diouf. Ça va se reproduire avec Wade. Wade également, c'est une contestation à l'intérieur du mouridisme qui va amener Wade à être écarté. Mais à ce niveau, donc, vous comprenez une chose. Les intérêts des confréries religieuses sont en fait quelque part aussi les intérêts du colon. Et le grand problème qu'a connu Sonko, d'ailleurs même je crois que c'est pour ça que le consensus visait à éliminer d'abord Sonko. Non, je vais revenir là-dessus. On va voir ça. Je vais revenir là-dessus. Le grand problème de Sonko, c'est d'avoir levé la jeunesse qui n'a pas obéi aux marabouts. Quand les marabouts ont demandé aux jeunes de rentrer dans les maisons, c'était rentrer dans les maisons, arrêter, oui, on a compris votre manifestation, allez à la maison les enfants. Vous savez ce que ça signifie les marabouts dans les confréries? Le marabout, c'est celui qui éduque votre enfant depuis l'âge peut-être de 2-3 ans. Il va le prendre jusqu'à 11 ans. Donc, en fait, son autorité sur votre enfant se confond à la vôtre. Peut-être parfois même supérieure à celle d'un père. Uh-huh. Les marabouts ne contrôlaient plus la jeunesse. Et les Français, à ce moment-là, s'adressent à une seule entité. Ils ne s'adressent pas aux hommes politiques. Ils n'ont pas réuni tous les hommes politiques du Sénégal. Hein. Ils se sont adressés aux confréries. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Pourquoi vous ne contrôlez plus le Sénégal? C'est à l'intérieur des confréries que la France a le plus noyauté le Sénégal. Les loges maçonniques au Sénégal, elles sont quoi? C'est des loges maçonniques musulmanes. C'est une maçonnerie avec des musulmans. Macky Sall était franc-maçon. Abdoulaye Wade, franc-maçon. Senghor, franc-maçon. Mais à Doubé à Paris, peut-être bien plus. Mais tous, ils sont dans les chambres locales avant d'émigrer. Je vais même toucher, le président a touché Blaise Diaye. Mais attendez, la maçonnerie sénégalaise a quelque chose de particulier. Si les autres maçonneries sont liées, par exemple les loges du Cameroun sont liées à la grande loge nationale française ou bien à la grande loge unie de française, au niveau de la maçonnerie sénégalaise, ce n'est pas les désordres qu'on remarque de l'autre côté. Ils sont directement liés au Grand Orient de France. Or, le Grand Orient de France, c'est ce qu'on appelle la matière grise de la France. Ce qui se discute en loge
au Grand Orient de France vendredi. Lundi, c'est discuté au Parlement français. Ça, c'est connu. Mais ça, c'est le témoignage d'un patron de la franc-maçonnerie. Il dit ce qu'il discute au Grand... La France est officiellement maçonnique. La France officielle, tout donc... Tout ce qui est conçu, les programmes politiques... C'est la franc-maçonnerie. Le mot citoyen, là. Mm-hmm. Je vois toujours les Africains, nous sommes des citoyens, nous sommes... Ça ne veut rien dire. Je suis un individu, pas un citoyen forcément. Pourquoi le mot citoyen, donc, c'est un concept purement maçonnique. Purement maçonnique, le mot citoyen. C'est purement maçonnique. Donc, quand vous dites que vous êtes citoyen, sachez-le, vous récupérez un concept maçonnique. Vous ne dites rien d'intellectuel ni de philosophique. Ce n'est pas les philosophes qui ont inventé le mot citoyen. C'est comme beaucoup de grands concepts, notamment la démocratie, qui sont des concepts purement maçonniques. Qu'allons-nous faire dans non, ce cas? Non, pas la démocratie, la République, davantage. Mais revenons sur l'élément. Alors, quand vous comprenez que Sonko a fait peur pour cela, le consensus, discutez avec tous ceux qui allaient au Sénégal, ils vous racontent, ils vous répètent une chose. L'ensemble de la classe politique avait été mise en garde. On ne veut pas voir ce monsieur là-bas. Fallait balayer Sonko totalement. Il fallait que Sonko aille au garage. Ah non, ce monsieur qui a levé les jeunes contre les marabouts, on ne veut pas de lui. C'est ça. Consensus contre Sonko. C'est pourquoi Macky Sall, même dans le traitement abject qu'il a accordé à ses opposants, le traitement de Sonko est resté exemplaire. Aujourd'hui, nous allons adresser vraiment beaucoup de soutien à M. Sonko parce que ce dernier, il a été victime d'une injustice. Cette dame a reconnu qu'il ne l'avait pas violée. Elle a d'ailleurs, elle est fugitive aujourd'hui. Nous apprenons qu'elle vit en Suisse. Ça d'accord, en rebelle au Canada. Dit rien. Ça ne vous dit rien. A dit ça. Ça veut dire que la DGSE française travaillait très bien avec ces gens. Donc, M. Sonko n'a pas... Il fallait le discipliner. On a neutralisé M. Sonko. Jonathan, maintenant, je vous ai posé la question si Bassirou, on va y revenir. En tout cas, restons dans le sujet. Mais vous nous faites un parallèle avec Ousmane Sonko. Je vais vous expliquer. Quand M. Sonko désigne ses 5 candidats qui devaient le succéder potentiellement, au cas où il était finalement. M. Bassirou Diomaye Faye fait partie de la shortlist. Finalement, il décide de lancer Bassirou. L'un des avantages de Bassirou, c'est un homme convaincu. C'est un homme qui avance. Mais il se passe une chose. Sonko neutralisé, Sonko ayant pris le plus de coups, la France va manœuvrer. La France a d'abord fait un petit sondage. Se rendre compte qu'aucun de leurs candidats ne peut passer. Il reste Bassirou Diomaye Faye qui est donné vainqueur dans tous leurs instituts de sondage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un candidat. Il y a un individu qui n'était même pas candidat. Lequel? Il décide de lui apporter son soutien. Parlez de qui, M. Karim Ouad? Vous avez trouvé le nom. Il est candidat recalé. Peut-être non. Aussi le jeu d'alliance pour lui, M. Karim Ouad. Est-ce qu'il n'avait pas intérêt? J'insiste sur ce nom parce que. Vous allez comprendre. En 2019, Karim Ouad n'était pas candidat. Vous savez pourquoi il a. Vous savez quel était le rôle de sa présence au Sénégal? Du tout. Il venait demander le boycott. Je crois que le président, c'est ça. Karim Ouad, en 2019, a demandé le boycott de la présidentielle au Sénégal. On n'était pas loin de là en 2024. Dans son conflit avec Macky Sall, où il n'était pas candidat. Bon, prenons un peu les leçons de l'histoire. En 2019, il n'était pas candidat, il a demandé le boycott. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait en 2024, parce qu'il demandait davantage le report, peut-être pas le boycott cette fois-ci, mais le report pour essayer de clarifier sa position. Du moins, ça a été la communication officielle de M. Macky Sall. Il a boycotté. Karim Ouad est français. C'est déjà une réalité. Alors, vous savez, quand vous rentrez dans la famille Ouad,
La famille Ouad, dans son conflit avec les Diouf, a joué même de son intimité avec la France-Afrique. Vous savez que Viviane Ouad est française. Madame Ouad, madame, la femme d'Abdoulaye Ouad, elle est française. Viviane Ouad. Abdoulaye Ouad lui-même, c'est un français. Et vous savez ce que Abdoulaye Ouad a représenté? Je vais vous dire pourquoi j'insiste là-dessus. Abdoulaye Ouad, dans les années 2099, quand le guide libyen Muammar Kadhafi va réunir les pères, ses pères africains à Syrie pour refonder l'Union africaine, l'organisation de l'unité africaine et relancer cette organisation sous la forme de l'Union africaine avec comme projet de doter cette institution d'une banque africaine de développement, d'une banque centrale et d'un fonds monétaire africain. Ouais. Abdoulaye Ouad va être porteur d'une initiative de sabotage. Cette initiative s'appelait le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique, NEPAD. Entendu parler. Pendant que le président guide Kadhafi est en train de relancer l'Afrique autour d'une Union africaine, Abdoulaye Ouad fait le tour de l'Afrique avec son NEPAD. Tout à fait. Dans les années 2000, l'Union européenne, les États-Unis, la France vont faire un matraquage médiatique autour du NEPAD. Revenons donc à 2024. À quelques jours de la présidentielle, Karim Ouad, qui n'est pas candidat parce qu'il est français, décide contre vents et marées, contre toute attente, d'apporter son soutien à Diomaye Faye. Mais cela ne se fait pas simplement sur la base d'une déclaration publique. On décide de rencontrer Bassirou Diomaye Faye tout seul. Cette fois-là, il n'est pas avec son couple. Ça change tout. Et Ouad, dans sa, le père Ouad, dans sa recommandation à Bassirou Diomaye Faye, dit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières à organiser. Vous savez qui est Ouad quand même? Ouad est le garant, est l'un des garants du consensus néocolonial hérité de Senghor. Dans la scène politique sénégalaise, à côté de Ouad, vous avez les Dias, l'ancien maire de Dakar. C'est eux qui sont aujourd'hui les sous-traitants de la France-Afrique au niveau du Sénégal. C'est eux qui ont été éjectés parce que quand Macky Sall va renverser Ouad, pour renverser Ouad, Macky Sall utilise les réseaux états-uniens. D'ailleurs, nous avons beaucoup épilogué là-dessus. Mais là, aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur les fameux réseaux états-uniens. Oui, ils ont travaillé au départ autour de Sonko. On ne sait pas s'ils sont toujours actifs, mais ils ont travaillé autour de Sonko. On a vu la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis qui montre quand même qu'il se montre prudent. Il fait un appel de pied, mais ils sont prudents. Voilà. La rue leur échappe, ils en sont conscients. Donc nous revenons là-dessus. Ouad rencontre Bassirou Diomaye Faye. Lui dit que ce qui compte désormais, c'est la réconciliation. Une question, monsieur Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal est-il en guerre? Des prisonniers politiques du côté du Sénégal. Mais si tel est vrai qu'il y a des prisonniers politiques, il faut faire une ordonnance. On a vu M. Macky Sall faire une note d'amnistie qui a libéré quand même un certain nombre de prisonniers politiques. En quoi est-ce que ces prisonniers politiques devraient créer une situation assez conflictuelle, alors chrysogène, pour parler de réconciliation nationale? On n'est pas quand même en Côte d'Ivoire là. Réconciliation nationale, donnez-moi les thèmes de cette réconciliation. Avec qui? Je prends les contextes historiques, si M. Bassirou Diomaye Faye peut les noter lui-même. Pour le départ de Senghor au pouvoir, que s'est-il passé au Sénégal? L'historien ici, le grand frère Mandeng, va revenir peut-être là-dessus. N'y a-t-il pas eu une fronde de la rue portée par la Mouridia, qui était entraînée par les Tidjanes, par leur alliance avec les Tidjanes, et qui a renversé Senghor sur la base de ce contentieux qui existait au sein de la confrérie entre Diouf et Senghor? Diouf a renversé Senghor dans la rue. Après, il y a eu réconciliation.
Il y a une réconciliation. Du tout. Ok. Disons. Senghor lui a donné le pouvoir. C'est Wad qui va renverser Senghor. Voilà. Wad va faire. Wad renverse Diouf. Est-ce qu'il y a eu temps? Il y a eu réconciliation. Non. Macky Sall a renversé Wad en 2012. Tout le monde l'a vu. C'est aussi passé par l'élection. Hein. Tout à fait. Il y a eu réconciliation. Dès le lendemain, Macky Sall a lancé la police contre les enfants de Wad. Pas, ce n'était pas une chasse aux sorciers après, comme on veut le faire. Quoi. C'était ça. Président, ils ont quand même remboursé 835 millions de francs CFA. Oui. La famille Wad. Oui. Il faut quand même que les téléspectateurs se rendent compte. Oui. S'ils avaient autant d'argent, c'est quand même 12 ans de président, ça donne 835 millions de francs CFA. Bon, je veux croire qu'ils étaient déjà très riches. C'est ça, président. Mais moi, j'essaie de montrer aux populations, j'essaie de montrer aux spectateurs qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorciers à proprement parler, comme il veut faire croire. Ils ont quand même remboursé de l'argent qu'ils ont reconnu avoir dilapidé des caisses publiques. Il n'y a pas eu une réconciliation sous Wade. Il n'y a pas eu une réconciliation sous Macky Sall. Pourquoi il y aurait nécessairement une réconciliation sous Bassirou Diomaye Faye? Encore que les têtes d'affiche, c'est-à-dire la PR ou alors le parti de M. Karim Wade, ils ne sont pas en froid entre eux. On a vu d'ailleurs comment est-ce qu'ils ont apporté un semblant de soutien à M. Macky Sall lorsqu'il fallait... Mamadou, toi-même, est-ce que Macky Sall a confisqué le... Nous n'aimons pas Macky Sall. Mais ce Macky Sall a dit, je ne sors pas de nous la présidence. Nous ne le détestons pas non plus. Non, mais dites un peu, est-ce que Macky Sall a dit, je ne sors pas de la présidence? C'est le caterpillar qui m'enlève ici. Il a dit ça. Du tout. Il est là. Il dit, je pars. Mm-hmm. Bon, la haine viendrait d'où? Vous savez, en fait, le fond de l'histoire, revenons donc à l'analyse initiale. Ouais. Le consensus néocolonial sénégalais est en train d'être cassé. Les garants de ce consensus ont peur. L'élite politique, religieuse, économique, culturelle a peur que cette jeunesse qui monte, cette jeunesse peut finalement l'envoyer au chômage. Et Wade, dans son message subliminal qu'il passe à Diomaye Faye, c'est vous devez lâcher ces jeunes. Vous savez comment est-ce que le parti de Macky Sall a traité la victoire de Diomaye Faye? Ils ont appelé ça une victoire du populisme. En d'autres termes, pour eux, le panafricanisme, c'est un populisme. Pour eux, ce que nous faisons là, c'est du populisme. La réconciliation dont parle Wade et que le président Diomaye Faye a repris, nous voulons croire que c'est une erreur syntaxique ou bien une erreur dans le discours, dans le but de faire plaisir à certains acteurs. Non, il est président, il doit pas. Nous voulons croire. Mais cette réconciliation, c'est en fait la réconciliation avec les garants du consensus néocolonial. Que la jeunesse sous Sonko a blessé. Que la jeunesse sous Sonko a quelque part commencé à mettre à mort. Et que ce consensus néocolonial, ses garants, considèrent comme étant un éventuel ou un potentiel parricide. Ils disent, nous acceptons d'écouter cette jeunesse à condition que cette jeunesse oublie. C'est ça la réconciliation. Hein? Oubliez vos revendications souverainistes. Oubliez la question du CFA. Nous allons faire juste une petite photo de cet angle colonial. Regardez les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Regardez le nombre de généraux sénégalais qui se retrouvent à la tête de ces missions. Alors là, Jonathan. Regardez. Pendant les manifestations, lors du rétablissement de l'ordre, vous n'avez pas vu ce que les Français ont fait à Dakar. Vous avez oublié. Voilà. La première phase. C'est récent là, c'est compliqué. Prenez les hauts fonctionnaires des Nations Unies. J'ai une thèse là-dessus où je dis toujours, le haut fonctionnariat des Nations Unies est une forme de corruption morale.
et de recyclage, entre guillemets. De fabrication de l'argent qui vont travailler contre les intérêts de l'Afrique. Ouais. Contre monnaie sonnante et trébuchante justifiée par un chômage déguisé appelé poste de représentant des Nations Unies. Allez voir le contenu de ces postes. Allez voir le travail abattu par ces gens. Quand vous arrivez à Bangui, le premier poste de travail des fonctionnaires des Nations Unies, c'est les petites filles. Les petites filles dans les bars la nuit. Ou encore circuler dans les grosses voitures climatisées, allant d'une ville à l'autre, se mêlant à toutes sortes de trafic. Donc, cet Ando Colonna ne veut pas lâcher prise. Vous allez chuter, Jonathan. Le président Bassirou Diomaye Faye, peut-être qu'il s'est exprimé, parce que pour l'instant, nous sommes très réservés. Tout à fait. Peut-être qu'il s'est exprimé avec les termes que lui a présenté Ouad. Mais qu'il sache une chose, Ouad n'est pas un conseiller fiable. Ouad est un danger. Ouad fait justement partie, les Ouad, pas seulement Karim, Ouad, toute la famille Ouad, Séné Diéli, celle qui gagnait tous les marchés dans le marketing de la présidence. Toute cette famille est appelée à disparaître de la scène politique sénégalaise. Pas seulement eux, les Dias, toute cette élite comme bourgeoisie comprador devra être balayée. Si M. Diomaye Faye veut être au rendez-vous des aspirations du peuple sénégalais qu'il a porté majoritairement, il doit s'arranger à ne pas trahir ce peuple. Mais c'est aussi pourquoi moi ça m'arrange qu'il y ait un tandem, qu'il y ait Sonko et qu'il y ait Bassirou. Sauf qu'il y aura à la fin un président qui aura le dernier mot. Je vais vous dire, je vais vous dire ma parole. Je vais vous dire ma parole. Oui. Pour sortir. Sur l'affaire, le tandem pour moi est une garantie que si l'un trahit, l'autre peut encore sauver la chose. Si le président Sonko peut rester fiable dans les logiques panafricanistes qu'il a vu lui venir en aide, il pourra jouer le rôle de boussole. Il pourra à tout moment remettre le jeu politique au centre de la table. Il pourra à tout moment faire en sorte que les intérêts souverains du peuple soient toujours ceux poursuivis par le président Bassirou Diomaye Faye. Le geste qu'il a posé dans son discours en annonçant une éventuelle réconciliation, non! Appeler le Niger, le Mali, le Burkina à rentrer dans quel CDAO? Ça n'existe plus! N'a-t-il pas vu les populations sénégalaises braver l'embargo du Mali? Il doit savoir une chose. Kilomètres pour aller soutenir effectivement, les frères maliens. Ce sont ces mêmes Sénégalais qui ont soutenu la candidature de M. Diomaye Faye. Tout à fait. L'avenir, ce n'est donc plus la CEDEAO. L'avenir, c'est comment le Sénégal fait pour désormais travailler au sein de l'AES. L'avenir de la sous-région, c'est l'Alliance des États du Sahel. Le président Bassirou Diomaye Faye, nous avons dit que l'un des indicateurs qui nous permettra de mesurer, qui sera le curseur de notre analyse sur le Sénégal, sera sa politique étrangère. Il ne suffit pas de dire il faut rompre avec le CFA. Non, nous ne sommes plus flattés par les déclarations fortes. Il faudra une politique étrangère qui soit au service de l'AES, qui permette au Sénégal d'intégrer l'AES. Et qui fasse du Sénégal un pilier désormais de l'AES. Voilà le curseur du Sénégal désormais pour nous panafricanistes. Tout discours qui vise à réhabiliter une institution morte, inexistante, comme la CEDEAO, c'est un discours dangereux, c'est un discours que nous allons combattre. Donc d'accord. Le président Bassirou, il doit savoir que pour nous panafricanistes, ce discours a été une grosse déception. Peut-être une erreur, comme peut-être nous restons encore dans l'observation. D'accord, merci à vous. Mais on va y revenir peut-être dans le cadre de la première thématique de ce programme, parce que c'est le fait d'accueil.
J'ai eu le privilège de partager de fond en comble peut-être tout à l'heure pour répondre à l'inquiétude de Jonathan Matenguené, le projet de campagne de M. Diomaye Faye intitulé « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Je vous rassure, Jonathan Matenguené, nous n'avons pas que aucun chapitre n'est pour l'instant dédié notamment à la politique étrangère, si ce n'est dans une certaine mesure celle sous-régionale. On y reviendra de fond en comble, nous rappelons. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui souhaitent intervenir avec nous par appel. Non, l'émission est exclusivement réservée à nos amis panélistes sur le plateau, ou au besoin écrivez à la direction générale ou à la direction des programmes et on vous donnera certainement l'occasion de vous exprimer, ou alors dans nos éditions de Libre Antenne, on vous donnera la parole de vous exprimer dans le cadre de cette de nos différentes productions. Henri Diabaté, Mandeng, Krecherani, Ami, je vous retrouve donc avec cette sortie de Bassirou Diomaye Faye concernant bien entendu l'action sous-régionale, lui qui interpelle donc ses frères nigériens, burkinabés et maliens à se retrouver au sein de cette défunte CDAO dissoute par les panafricanistes, consolidée notamment par les leaders de ces trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Comment a analysé aujourd'hui, lui, cette déclaration, alors que, je l'ai dit tout à l'heure, dans ma précédente intervention, il y a eu comme une forme d'ancrage, notamment des populations de la CEDEAO dans la démarche de ces trois pays frères qui ont, tout comme nous, constaté de fait la mort, on va dire ainsi, de la CEDEAO. Moi, vous savez, je suis très réservé, je suis très prudent lorsque j'analyse une situation politique. Quand tout le monde va donc, quand tout le monde va à droite et que je n'ai pas peur d'être seul souvent à gauche. Tout le monde va à droite. Oui, je préfère gagner avec perdre avec mes idées que de gagner avec les idées des autres. Et ça, je juge les gens sur pièce, je juge les gens sur les faits. Bassirou, je dis bien, c'est pas un idéologue. L'idéologue, c'est Sonko. Le penseur, c'est lui qui pense. C'est Sonko. C'est Sonko qui développe une théorie. Bassirou, et cela laisse comprendre qu'autour de lui, il n'y a pas suffisamment ce filtrage idéologique qui lui permette d'appréhender une situation, ces situations politiques aussi complexes que celle-là. Je pense qu'il aurait dû, au lieu de se prononcer par rapport à la CEDEAO, rester très calme, savourer ses premiers instants de pouvoir et entretenir un certain mutisme par rapport à ces questions. Parce que ce sont des questions, la CEDEAO, c'est une question extrêmement impopulaire en Afrique. Tous les Africains sont conscients que la CEDEAO, c'est un machin. Un projet colonial, issu du projet colonial, qui veut domestiquer les énergies en Afrique, faire des Africains des vassaux de la France, c'est-à-dire des sergents-chefs qui passent leur temps à obéir aux injonctions de Paris. Il faut qu'on arrête ça. Bassirou Diomaye Faye a été élu sur un programme de rupture. Toute la population, tous les jeunes au Sénégal, se reconnaissent derrière cette rupture, c'est-à-dire derrière sa victoire, parce qu'ils se disent c'est la rupture avec un système qui demande depuis toujours des changements. Lorsque je parle d'Omar Blondin Diop, ce n'est pas fortuit, lorsque je fais référence à lui, c'est que je rappelle le besoin lancinant de la jeunesse sénégalaise, d'une certaine jeunesse sénégalaise qui croit à l'autodétermination. Le Sénégal reste dirigé, dominé depuis Paris. C'est un jour le président Banda, avec la lucidité qui est la sienne, qui disait « Le Sénégal, c'est une pourriture complète dont on ne sait même plus le nom. » C'est-à-dire sa dépendance avec la France est incroyable. L'intérêt français est si fort au Sénégal qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention dans la lecture des choses au Sénégal. Tout à l'heure, on parlait... c'est Matenguené qui faisait allusion au lien entre les francs-maçons et la classe politique sénégalaise. Le lien est si fort. Dans les pays comme le Cameroun, le Gabon, les premières manifestations maçonniques datent de 1920-1922. Au Sénégal, ça date de 1700. Donc, c'est pour tout pour vous dire, le premier franc-maçon africain a exercé un rôle dans la franc-maçonnerie, sera Blaise Diagne,
C'est un Sénégalais. 1920. Oui, il s'associe aux commerçants, aux négociants, commerçants de Bordeaux. Il fait sa fortune dans le négoce grâce à ses liens avec les maçons, avec la franc-maçonnerie. Ça lui permet d'avoir, sur le plan politique, à la surprise générale, il réussit à battre le fils de Gaston Defer, Paul Defer. Il réussit à le battre aux élections à Dakar. Vous pensez qu'il pouvait le battre s'il n'avait pas bénéficié de l'appui de ses parrains, de ses mentors de Paris? Non. Il le bat parce que il est un homme sûr, il est l'interlocuteur valable. Ce que André-Marie Bida disait ici, je suis l'interlocuteur valable des Français. Les Oum peuvent partir, c'est moi l'interlocuteur valable. Il était l'interlocuteur valable devant les Français. Donc, ça lui a permis de façonner une classe politique qui obéit au doigt, à l'œil, à la France, qui est contrôlée spirituellement par la franc-maçonnerie et qui obéit au doigt, à l'œil, aux intérêts français, privilégie l'intérêt français. C'est ça, c'est comme ça que la France s'est installée au Sénégal. La France a pris possession du Sénégal. Pendant ce temps, il y avait des dirigeants politiques de grosse envergure. Je tiens à vous dire que Blaise Diagne, lui, il avait la nationalité française. Pendant ce temps, il y avait des gars comme Lamine Gueye, qui étaient de dirigeants politiques sénégalais de grande envergure, qui n'avaient pas la nationalité française, qui étaient considérés comme les indigènes. Donc vous partez au vote avec deux noirs avant au vote, il y a l'un qui a accès au collège, au grand collège français, et l'autre qui n'a pas accès au grand collège français. Donc c'est tout pour vous dire l'influence de la maçonnerie dans la prospérité des intérêts français, dans la prospérité du fait français, que ce soit sur le plan politique ou économique au Sénégal. Ce sont eux qui contrôlent. Aujourd'hui, lorsque, pour revenir au problème de la CEDEAO, lorsque j'ai vu Bassirou, avant les élections, aller à la Corniche, au palais de la Corniche, rencontrer Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Un alignement, il y avait une sorte de deal qui était fait. Comment des gens, quelqu'un qui se réclame du panafricanisme de gauche, avec cela, ce que cela implique comme rupture, comme position forte, comment tu peux t'associer avec un ultra-libéral comme Karim Wade? Oui, il se réclame. Il dit... C'est, il se prend un idéologue. C'est-à-dire, donc, et lui maintenant il dit que l'autre, Karim Wade, qui est un ultra-libéral, comment ils peuvent avoir une alliance? J'ai cherché à, dans ma tête, je me suis dit, il y a des alliances fortes qui sont faites. Tout le monde connaît l'influence du Digel. Le Digel, c'est la consigne de vote donnée par le calife des Mourides, ce que tu appelles marabout. Donc lorsque le grand calife à Touba dit quelque chose, il donne une consigne de vote, oui, tout le monde suit. Donc, et son digel a été suivi. Il y avait des scores de 98%, hein, à Touba, 98%. On se demandait qui a bien pu ne pas voter pour lui ici. Donc, dans toutes ces villes, vous savez, le premier ministre candidat Amadou Ba disait, il y a dans certaines, on attend les résultats de la région, parce qu'il se disait là-bas au moins, s'il domine dans les villes, parce que les jeunes sont plus nombreux dans les villes, là-bas dans, en zone rurale, on va gagner. Sauf qu'il faisait une erreur. Même en zone rurale, le raz de marée en faveur de Diomane était très fort. Donc, et quand je vois les alliances qu'il signe avec les dinosaures du système néocolonial français au Sénégal, ben je comprends que ça va influencer ses vues, sa vision politique, la vision politique du Sénégal par rapport à un certain nombre d'actions. Vous avez vu que les dirigeants de l'AES, dans le chorus populaire qui voulait que, qui reconnaissait tout le monde, c'est-à-dire Macron n'a même pas attendu que les autorités sénégalaises à la consacrées à la matière disent que Diomaye Faye a gagné.
Macron s'est répandu. Il était ou en Inde ou au Brésil, quelque part. Il lui a envoyé un message de félicitations et il a réaffirmé la volonté de la France de nouer un partenariat fort avec lui. Donc, moi, vous avez vu que les dirigeants là, ils sont restés très calmes parce qu'ils connaissent. Jusqu'ici. Ils connaissent. Ils connaissent. D'accord. Oui. Mais je dis bien le chorus populaire qui a suivi les déclarations des autres en l'AES, tout le monde, c'est assez mesuré, tout le monde attend voir. Et le premier, et ils avaient raison, le premier acte du président, c'est de dire il va les amener à la CEDEAO. Mais comment toi tu peux amener des gens dans une maison pourrie? Des gens sont partis d'une maison parce qu'elle est pourrie. Mais toi tu veux les ramener dans ceci, dans celle-ci. Tout le monde sait que la CEDEAO est aux ordres de la France, mais pourquoi absolument vouloir ramener les gens dans cette maison? Donc vous comprenez que il montre déjà un penchant, une dérive qui me fait très peur, et qui me renseigne en suffisance. Le Sénégal peut-il franchir le cap et atteindre la rupture? Ça, j'en doute très fort. Les conditions ne sont pas encore réunies pour que cela soit fait au Sénégal. Il faut qu'on ait raison gardée. Peut-être on aura un jugement hâtif, mais vraiment, le raisonnement syllogistique nous dit que lorsque la prémisse est fausse, le reste là sera faux. Donc, moi, je veux être très prudent. Je vous assure, je vais être très prudent, mais j'ai très peur de la suite. Parce qu'il va commencer. C'est bien facile de dire on va sortir du franc CFA. Bon, je vais encore m'en tenir. Bon, on ne va pas encore parler de la rupture. On est encore au stade de la CEDEAO. Tout à fait. On est encore au stade de la CEDEAO. Le Sénégal risque d'être le seul pays à la CEDEAO avec la Côte d'Ivoire. Ce serait le seul pays de la CEDEAO dans les jours qui viennent. Oui, il faut faire très très attention. Donc, le Sénégal, sous le plan stratégique, est ultra important pour commander les intérêts de beaucoup de pays, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, dans Sierra tous ces Léon, pays. C'est une sorte de clé de voûte, ouais. De clé de voûte stratégique pour mm-hmm. eux. Donc, au moment où la France est chassée du Mali, chassée du Burkina, chassée du Niger, et qu'elle cherche un point de chute en Afrique de l'Ouest, et qu'elle se sent menacée par les positions sino-russes dans la zone, qu'est-ce qui se passe? La France peut revenir, reprendre... Vous savez, la France avait fermé sa base de Wakam, au Sénégal. Elle a réduit la voilure sur un certain, par exemple, son point de Bel Air. Mais attention, la France serait tentée. Ne soyons pas étonnés de voir le Sénégal redevenir le promontoire militaire français dans la zone, qui va, sous une enveloppe bien cachée, cacher la CEDEAO, la nouvelle force militaire de la CEDEAO. Oui. Vous pensez que les militaires maliens et les militaires français peuvent être dans la même pièce? C'est impossible. Vous pensez que les militaires burkinabés et les militaires français peuvent être dans la même pièce? Alors, on sait que la CEDEAO sont les militaires français. Vous voulez alors qu'ils se retrouvent avec les militaires français dans la même pièce? C'est impossible. C'est impossible. Tout le monde sait que la CEDEAO obéit aux ordres de la France. La France finance les mouvements terroristes, les djihadistes qui sont dans la zone. Ça, c'est un secret de polichinelle. Même les Français savent. Même les populations françaises le savent. La France arme, finance et instrumentalise les djihadistes dans le Sahel. Tout le monde le sait. Avant, ils se cachaient. Ils nous disaient que non, c'est imposé. Vous racontez des lubies, vous, Afrique Média, vous racontez des choses qui ne sont pas fausses. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait. D'accord. Tout le monde le sait. C'est-à-dire, tout le monde le sait. C'est pour ça que... comment il s'appelle le président burkinabé, qui est le général... Non, Dupérette. Le général Dupérette, qui a renversé Compaoré. Non, Damiba. Le colonel. Oui, ce colonel Dupérette,
Je vais vous dire quelque chose. Il nous a rendu un très mauvais service. Parce que Diendéré devait se mettre à table et nous raconter exactement. Peut-être Diendéré lui a raconté le rôle de la France dans la zone. Parce que Diendéré, lui, c'était l'âme damnée de Compaoré. Il connaît tout ce qui s'est passé depuis la mort de Sankara. Comment ça se passe? Comment les djihadistes sont financés? Comment ils sont instrumentalisés? D'ailleurs, à un moment, Diendéré avait prêté, un prisonnier, hein, il dit que lui, il est prêt à offrir ses services pour les négociations avec les djihadistes. Donc, vous avez compris jusqu'où ces brigands, ces fripouilles peuvent narguer un pays, peuvent narguer l'Afrique. Donc, c'est pourquoi je suis très étonné. Je mets ça encore sous le compte de l'inexpérience. D'accord. C'est un jeune homme sur le plan politique qui n'a pas encore fait ses gammes. Et peut-être que sa déclaration sur la CEDEAO est malheureuse. J'ai la faiblesse de croire qu'elle est malheureuse et qu'il est en train de réfléchir pour rectifier le tir et qu'il serait avisé de rencontrer les dirigeants de l'AES pour créer une nouvelle, pour renforcer l'AES dans le sens de la création d'une vraie force africaine endogène capable de résister aux assauts au lieu de devenir la base de lancement de l'impérialisme contre les pays africains. Donc, je peux dire que le président a fait une erreur. Elle est malencontreuse. L'erreur est humanum est, mais persévérer is diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Donc, je pense que je lui accorde, il est jeune, il est inexpérimenté, je lui accorde le bénéfice de l'inexpérience politique en lui disant, tu n'es plus opposant, tu es déjà chef d'État. Donc, toute parole que tu prononces, la parole est d'or, monsieur le président Bassirou. Toute l'Afrique vous regarde. Tout à fait. Merci, merci infiniment à vous, Henri Diabaté Mandeng. Alors, l'Afrique, c'est comme ça que plusieurs téléspectateurs vous ont désormais surnommé, monsieur Bertrand Tatinda l'Africain. Il faudra donc parler aux Africains face donc à ce scénario sénégalais qui a eu pourtant un très grand engouement à travers le continent africain. Est-ce que, Bertrand, les trois États de l'AES devraient, à la suite de cette communication, observer une forme de distance avec notamment le voisin sénégalais dans les dynamiques d'intégration? Déjà, je présente toutes mes félicitations. À nos jeunes frères du PASTEF qui sont arrivés à la tête de l'État du Sénégal. Ça n'a pas été facile. Ce sont des amis. On discute beaucoup en privé. Ils ont des représentants au Cameroun. J'ai souvent discuté avec certains de leurs amis qui parlent pour eux en France. Ce sont nos amis. On assume cette amitié. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles moi, Monsieur Tatinda, je n'ai pas la position du PASTEF. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de position sur ces questions. C'est que moi, je ne sais pas quelle est la position qu'ils ont. Sur quelles questions déjà? Sur beaucoup de questions. Je prends une question aussi simple. L'opération spéciale militaire en Russie, en Ukraine, là, l'opération spéciale. Je n'ai pas la position assumée officielle du PASTEF. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui un dirigeant de haut niveau sans avoir une véritable position assumée. Parce que la géopolitique même, aujourd'hui, se construit à partir de ce fait géopolitique. Si je peux m'exprimer ici. Donc, je ne connais pas, ils ont certainement une position qui n'est pas véritablement connue. La deuxième chose, c'est que nous, on aurait aimé, M. Henri Diabaté, pourquoi ils ne sont pas venus à Afrique Média? Pourquoi le président Sonko ne vient pas à Afrique Média? Il a communiqué ailleurs. Pourquoi M. Fay, le président Fay, ne vient pas à Afrique Média? Je pose une question banale. Mais, président, on peut venir à Afrique Média et s'exprimer à France 24. Guillaume Soro est venu à Afrique Média. D'ailleurs, j'avais trouvé courageux de sa part. Parce que l'émission... On a nos amis de Côte d'Ivoire, effectivement, qui n'avaient pas loupé ce jour. Et Guillaume Soro avait mis, comment je peux dire, que son treillis de rebelle. Il avait résisté. Ça avait été une très bonne émission. Je l'avais suivi de chez moi. Je n'étais pas sur le plateau, mais Guillaume Soro est venu. Donc, que le président
Sonko viennent sur Afrique Média, qui est quand même la chaîne écoutée des panafricaniques, s'exprimer, ça va éviter dans son camp d'expliquer que nous faisons une mauvaise interprétation, souvent, de leurs propos, parce que M. Mandeng, je peux dire que ce que vous dites, ils vont dire que vous faites une mauvaise interprétation, que vous ne les aimez pas beaucoup, que vous n'êtes pas très gentil à leur endroit, et que éventuellement, certains, même les plus extrémistes, peuvent vous taxer de jaloux. Donc, c'est bien qu'ils viennent s'exprimer sur Afrique Média pour qu'on puisse les écouter. Parce que nous l'avons toujours dit, qu'au Sénégal, là, dans l'isoloir, nous allons voter pour le PASTEF. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur lesquelles nous sommes en désaccord. C'est normal, dans une famille, il y a des désaccords. Il y a des questions pour lesquelles nous n'avons pas leur position officielle. Mais au moins au Sénégal, là, dans ce qu'ils disent, on se reconnaît dans beaucoup de choses. Donc s'il faut voter, si moi j'étais citoyen sénégalais, je voterais pour le PASTEF. Tu l'avais dit à maître. Donc, première chose. Deuxième des choses que moi je veux dire, c'est que, pour répondre rapidement à votre question, bon, je crois que les États de l'Alliance de l'AES vont leur apporter toutes leurs félicitations. Surtout qu'il y a des relations diplomatiques, le Mali et le Sénégal ont des liens économiques très étroits. Très étroits. Donc je crois qu'à ce niveau, mais vous savez, les États de l'Alliance du Sahel ont vu des vertes et des pas mûrs avec la CEDEAO. C'est pour ça que quand vous faites des déclarations que vous allez de l'intérieur réhabiliter cette CEDEAO, c'est tout à fait normal qu'ils vous regardent un peu avec un peu de distance. Parce qu'ils ont été membres de la CEDEAO. Le Mali a été membre fondateur de la CEDEAO. M. Sonko devait être très jeune. Il a quel âge, le président Sonko? 44 ans, je crois. Non, c'est Diomaye. Donc, la CEDEAO, elle naît en 1975. Le Mali est membre fondateur de la CEDEAO. Et vous avez vu ce que le Mali et ces trois pays ont vécu, ce qui s'est tissé au sein de la CEDEAO contre eux. Ce que la CEDEAO a voulu faire sur des problèmes politiques. C'est-à-dire sur les problèmes politiques. L'incapacité de la CEDEAO à résoudre les problèmes de sa propre population. L'incapacité de la CEDEAO à poser sur la table le problème sécuritaire au sein de la CEDEAO. La CEDEAO prise en flagrant délit de violation de ses propres textes. Quand vous avez une attitude comme ça, personne ne vous prend plus au sérieux. C'est-à-dire que vous mettez sur pied une organisation qui est censée intégrer les populations. Vous mettez sur pied une organisation censée, comme on dit, apporter du bien-être économique, travailler en bon père de famille avec tous les pays, mais à partir du moment qu'il y a un problème politique dans un pays, eh bien on ne voit plus ça. Il n'y a plus de solidarité. Il n'y a plus de solidarité. On ne se tend plus la main. Au contraire, on découvre que la CEDEAO n'est que CEDEAO de nom, que les patrons sont ailleurs, que les décisions sont prises ailleurs, que les directives sont prises ailleurs, et nous n'avons plus cette CEDEAO des peuples qui avait été voulue par les peuples fondateurs. Donc, vous comprenez que les États de l'Alliance de l'AES ne jugent pas le nouveau président sénégalais sur cette déclaration-là, préfèrent regarder de loin et dire, vous avez tout notre soutien, on verra bien comment de l'intérieur de la CEDEAO, eh bien, vous allez faire bouger les choses. Moi, il y a quelque chose que mon frère Jonathan a dit et qui a été accentué par M. Mandeng. C'est qu'au début de cette élection, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils vont partir pour une politique de rupture. Le mot m'a intéressé. Vous savez, chaque fois qu'une société est en crise, est en grosse crise, si vous voulez fédérer autour de vous les plus lésés, dites que vous allez incarner une politique de rupture. C'est-à-dire que le mot rupture devient le slogan qui vous confère une forme de sympathie. Et souvent même les gens sans réfléchir se disent que si le monsieur-ci veut changer la situation dans laquelle on vit, là, dans le pays, on le suit. Si un candidat aujourd'hui au Cameroun arrive à articuler le mot rupture avec c'est-à-dire qu'autour d'un véritable programme socio-économique, il aura l'adhésion des Camerounais pour 2025. Parce que j'avoue que moi-même,
qui suis soutien du président de la République, j'ai besoin d'une rupture au Cameroun. On ne peut plus continuer comme dans la situation dans laquelle on est. Et moi, je l'ai vu en France sur deux élections présidentielles que j'ai vécues en France. Jacques Chirac arrive en 1995 à fracture sociale, synonyme de rupture. C'est-à-dire qu'il lance aux Français qu'il y a une véritable fracture sociale. Il y a une petite oligarchie qui s'est enrichie. Le gros des Français vivent dans la grande misère. Eh bien, moi, je veux venir combattre ça. Jacques Chirac, enfant de la bourgeoisie française, privilégié français. Il a été secrétaire d'État de De Gaulle. Les gens ne savent pas que Jacques Chirac a été ministre de De Gaulle, secrétaire d'État de De Gaulle, dans le gouvernement Pompidou. Eh bien, Jacques Chirac va gagner l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que des trois éléphants qui le soutenaient, Debré, Philippe Séguin, Alain Juppé, il prendra Alain Juppé pour en faire le premier ministre. Alain Juppé, l'homme de la rigueur. C'est-à-dire que vous venez combattre la rupture. Ça veut dire que vous allez mener toutes les politiques sauf une politique de rigueur. Dites-moi comment on combat la rupture dans une politique de rigueur. Sauf qu'il arrive, il est président de la République, et bien il nomme l'homme de la rigueur, Alain Juppé, comme premier ministre. Et il vient avec ce qu'on va appeler le CIP. C'est-à-dire que même les acquis sociaux, Alain Juppé va s'attaquer aux acquis sociaux et expliquer que le SMIC là, il faut combattre le SMIC en mettant sur pied un CIP, c'est-à-dire un SMIC jeune. La France va se lever. Et c'est comme ça qu'elle va vomir Jacques Chirac, uniquement sur la base de cette action d'Alain Juppé, qui ne cadrait pas avec le discours de Jacques Chirac. Ça veut dire que le premier ministre de monsieur Diomande Faye, ça sera très intéressant, même pour nous, qui sera premier ministre. Deuxième des choses, monsieur Nicolas Sarkozy arrive en 2007. Or, les Français se disent qu'on ne le fera plus une deuxième fois cette histoire de discours creux et évasifs. Sauf que la France, pendant ce temps, va s'appauvrir. Et la pseudo-fracture sociale va s'élargir. Monsieur Nicolas Sarkozy, bon opportuniste, arrive donc avec le discours, le mot rupture. Il assume le mot rupture. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il gagne l'adhésion des états-majors et du peuple français qui se mettent autour de lui et croient en sa rupture. Et croit en sa rupture. Nicolas Sarkozy, qui est porté par le patronat français, à l'époque, porté par le patronat français. Comment vous pouvez être porté par l'oligarchie française et vous dites que vous allez assumer une politique de rupture? Alors que c'est justement les intérêts du patronat français, c'est la politique du patronat français qui est source, comme, je veux dire que, de fracture sociale. Mais vous, vous êtes porté. Eh bien, que va-t-il se passer? Monsieur Nicolas Sarkozy va nommer Monsieur François Fillon, Premier ministre, qui était tout sauf un homme de rupture. Et ça sera un échec total. Pourquoi je prends ces deux exemples? Je prends ces deux exemples pour expliquer que tous ceux qui ont pris le mot rupture comme étant le fer de lance de leur politique, au bout de 5 ans, quand ils n'ont pas assumé la rupture, ils ont été vomis par le peuple, ils ont été chassés. Tous ceux, que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique. Je vous donne un cas de rupture en Afrique. Quand va arriver la période des conférences nationales, au Bénin, il y a un monsieur qui va arriver au Bénin, monsieur Nesfor Soglo. Il va assumer le mot rupture. 5 ans après, il va être chassé par le même peuple béninois et les indicateurs économiques du Bénin étaient plus désastreux que quand il venait. Donc quand vous assumez le mot rupture comme étant le socle de votre politique, vous avez 100 jours pour donner une véritable orientation de rupture. Si au bout de 100 jours, vous ne donnez pas une véritable orientation de retour, vous ne vous rattrapez plus et vous serez vomi. Vous savez, l'Est populaire ne m'impressionne plus. Tous ceux qui sont arrivés au pouvoir en Afrique, il y a eu l'Est populaire. Tapez sur les réseaux sociaux. Abdou Diouf, arrivé de Abdou Diouf au pouvoir, liesse populaire à Dakar. Arrivé de Ouad au pouvoir, liesse populaire à Dakar. Arrivé de Macky Sall au pouvoir, liesse populaire. Ils prendront le pouvoir certainement mardi. Il y aura liesse populaire à Dakar. Mais il y a aussi
C'est-à-dire qu'après cette liesse populaire, c'est les mêmes acteurs de la liesse populaire qui étaient prêts à brûler Dakar et vous demandent de partir. Donc attention au mot rupture. Vous avez 100 jours, tous les politologues expliquent que vous avez 100 jours où on vous pardonne tout. Où pour moi, M. Tatsinda, la nomination du Premier ministre, pour moi, va déjà être un révélateur si on veut véritablement incarner une politique de rupture ou si on ne veut pas incarner une politique de recul. Pourquoi je dis ça? Parce que Paris a déjà pris les devants et expliqué que vous voulez appliquer une politique de rupture, vous allez faire peur aux investisseurs étrangers. Il faut faire attention. Paris a pris les devants en mettant des débats économiques clairs. Question de leur dire que votre politique de rupture, parce que la rupture, la politique de rupture, c'est quoi? Ils sont souverainistes. Président Diomaye Faye a dit que le Sénégal restera l'allié sûr et fiable de tout pays respectueux, en tout cas du Sénégal, et donc forcément garantissant, on va dire, un avenir meilleur, en tout cas aux partenaires sénégalais. Ça ne veut rien dire. C'est dans ce genre de phrases qui ont chassé les Wade des pouvoirs. Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un pays qui menace la sécurité du Sénégal, tous les pays, même la France. Macron reprend ça. Hein. Ce qu'il dit là, Macron dit chiche. Macron va plus loin. Que lui dit Monsieur Macron lui dit, j'ai hâte, dans votre vision que vous dites là, de travailler avec vous. Donc Macron se reconnaît dans le discours que vous dites. Parce que quand vous me le disiez, vous voulez m'opposer à M. Tatsinda. Voilà donc une déclaration de rupture. Mais Macron lui dit que dans cette déclaration-là, je m'y reconnais tellement que j'ai hâte de travailler avec vous. Et je peux vous dire que la diplomatie française travaille déjà à ce que sa première visite officielle soit en France. Et cette phrase-là ne veut, si c'est à ça qu'ils veulent venir jouer, c'est-à-dire et croire que la liesse populaire-là comprend cette phrase comme étant une phrase de rupture. Moi, je dis, ils auront 100 jours, ce qu'on appelle l'état de grâce. 100 jours, 3 mois. Et d'ailleurs, nous allons faire une spéciale ici. Les 100 jours de M. Sonko et de M. Faye au pouvoir. On fera une émission ici. On aura déjà davantage de M. Faye. Non, ça dit, au Sénégal, on a comme l'impression qu'il y a deux chefs d'État. C'est le président Banda qui est un politicien avisé, connaît ces choses-là. Il va mieux expliquer ça. Parce que quand le président sortant reçoit au palais présidentiel deux chefs d'État qui arrivent dans la même voiture, qui reçoivent les mêmes honneurs, ils sont assis pratiquement pareil, ils repartent dans la même voiture alors qu'il y a un qui est élu au suffrage universel direct. Moi, M. Tatsinda, je ne sais pas commenter ça. Je dis, il y a deux présidents au Sénégal. Non, il y a un seul président. Il y a deux présidents au Sénégal. C'est-à-dire, il y a un qui est élu au suffrage universel direct et il y a un autre qui a été faiseur de chef d'État et qui est président du parti. Ça veut dire qu'à la tête du Sénégal aujourd'hui, il risque d'avoir un bicéphalisme. Nous, on l'a vécu au Cameroun avec le président Aïdjo qui a transmis le pouvoir au président Biya, gardant la tête du parti. À l'époque, on était dans un système monolithique de parti unique et le président Biya ayant la fonction de président de la République. Et vous savez, là où il va avoir les premiers problèmes, il va avoir le premier problème pour établir le protocole, de savoir lors des cérémonies officielles. Qui doit accueillir qui? Est-ce que c'est le président du parti qui est le patron politique du chef de l'État qui doit venir avant? Ou c'est le chef de l'État élu au suffrage universel direct? Mais ça ne sera pas. Et comme chacun des deux avait des partisans, ça va aller dans un affrontement au point où une partie de l'armée va faire défection et on aura un coup d'État militaire. Moi, je prends le cas du Cameroun. Je ne dis pas que ça va arriver au Sénégal. Mais je dis, moi, la posture avec laquelle j'ai vu M. Macky Sall recevoir les deux et tout, je me suis dit, au Sénégal aujourd'hui, il y a relativement, à la tête de l'exécutif du Sénégal, il y a deux hommes. C'est mieux dit ainsi. Donc, j'expliquais donc que le mot rupture, il faut faire attention. Et Paris a déjà pris les devants en expliquant que si vous venez avec un programme de rupture, tel que le pensent les panafricanistes ou les Bandakani là, les Bandakani qui parlent là, essayez un peu de faire comme les Bandakani qui parlent là. Eh bien, vous allez avoir affaire à nous. Parce qu'on va vous faire ce qu'on a fait au Mali. C'est-à-dire qu'on fera de l'embargo économique au Sénégal. Tout à fait. Et moi, j'ai essayé de regarder le Sénégal. Pour voir si le Sénégal peut se passer de ce qu'on appelle les investissements étrangers au Sénégal. J'ai essayé de regarder et dire que, regardons un peu la structuration de l'économie du Sénégal. Portée par tous ces Nias, Diouf, Ouad, tout cela. Et est-ce que ce pays, tel que son
budget, sa loi de finances, organiser ses priorités. Est-ce que ce pays peut se passer de cette... J'ai d'abord regardé le budget du Sénégal. Eh bien, le Sénégal, en 2023, fait voter un budget de 6400 milliards. À l'échelle d'un pays de 17 millions d'habitants, oui, c'est peut-être, c'était un budget ambitieux. Et je suis allé regarder le niveau d'endettement de ce pays. Je me suis dit, est-ce que le Sénégal, c'est un pays comme l'Algérie? C'est-à-dire que l'Algérie a un budget robuste, c'est-à-dire que pour tenir le pays sur le plan économique et sur le plan même industriel et sur le plan sécuritaire, et l'Algérie n'est pas un pays endetté, pratiquement pas endetté. C'est là où le bas blesse. Chiffre du trésor public sénégalais. L'encours de la dette de l'administration centrale du Sénégal, 13 331 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 14 000 milliards de francs CFA de dette. Juin 2021. Dette parapublique du Sénégal, 1 234 milliards de francs CFA. Stock de la dette totale du Sénégal, 14 566 000 milliards de francs CFA. Je me suis dit, aïe, un pays comme ça ne peut pas se passer de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Voilà les résultats de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est pour ça que M. Macron lui dit, ce que tu dis, vous avez dit quelle phrase? Parce que moi, je n'ai... Qu'est-ce qu'il dit? Le Sénégal restera...